Et ça y est, c'est parti, nous sommes en live. Salut les mecs, salut les bolos, les 2000 followers sur la chaîne Twitch. C'est énorme. Voilà, on va faire un petit apéro live pour fêter ça. Moi, je suis au petit Coca Zero. Comme d'hab, je me suis pris un petit paquet de chips. Voilà, on va se mettre bien. hein, c'est pas tous les jours qu'on on passe ce cap symbolique. Sur Twitch, salut mon Julien, salut mon Halloween, salut Iceman, Astero, Jérôme, Hack. Voilà, encore félicitations, merci, mon Hack. Voilà les gars, prenez le temps d'arriver, mettez-vous bien. Voilà, on va passer un petit moment ensemble, on va discuter, on va échanger, et puis, et puis voilà, ça va être cool, ça va être sympa. Mon Yako, comment tu vas, mon Yako, ça va mieux, j'espère, mon Jérôme, Gianni. Alors, Osiris, mon Bruno. Salut les petits poussins, comment tu vas Salut mon gibouche. GG pour les deux cas Twitch. et eh oui, les mecs. Voilà, GG à vous, les gars. Franchement, c'est cool. En quoi En. Ouais, en, en, en moins d'un moins an et demi, en plus. Hein. Parce qu'on avait ouvert la chaîne, c'était euh, le 11 ou le 12 novembre. Euh, donc c'était euh, 2022. à ouais, fin 2022. Voilà, donc un peu moins d'un an et demi, donc c'est cool. Voilà, on a une bonne progression. Julien. Euh, le petit bolos qui monte. Bah oui, voilà. C'est cool. Iceman, GG, mon pote, tu casses la baraque. Ça fait plaisir. Les gars. Alors, salut mon Riddick. Salut mon Billy. Comment que ça va, les mecs? Salut Jack Comment que ça va, Yako Le poignet se ressoude. Je vais recommencer euh, le kiné. J'espère pouvoir le reprendre le travail en juin. Ah, bah écoute, force à toi. Force à toi, mon, mon Yako. Alors attends, bouge pas, je passe. Ici, je vais mettre la face cam, Voilà, peut-être on va faire un petit partage d'écran. Attendez, hop. Euh, ouais, petit partage d'écran. Un display capture, comme ça, pour. Euh, toc. Voilà, pour faire apparaître le chat. Voilà, toc. Voilà, de manière à ce que bah, dans le replay, comme ça, vous pourrez lire le chat sur le côté. Il n'y a pas d'overlay. C'est avec la bite et le couteau. <laughs> voilà, comme ça, il y a le, le chat qui apparaît à côté. C'est cool! Pour ceux, ben bah voilà, hein, les, les bolos et les ringards qui regardent les, euh, les streams et les lives en replay sur la chaîne secondaire DGGX Gameplay. Voilà, on vous oublie pas, les gars. Voilà, du coup, je vais. Parce que bon, alors, je peux faire apparaître le chat euh, bah dans, dans, ouais, dans, mon, dans ma scène stream. Là, mais C'est chiant à faire ces casse-couilles. Hein. Voilà, hein, on va pas se prendre la tête. Il y, y, y en a qui ont des beaux setups, des machins et tout. Tu vois, moi je m'en fous en fait. <laughs> Alors, ouais Gianni, salut mon Olive, comment que tu vas Ma première console, la Master System, oui, parce qu'aujourd'hui, je vous ai tourné une nouvelle vidéo de Ludotech Master System J'ai passé, euh, passé toute la journée à ça Ensuite, tout le reste de la midi là vous le voyez pas, mais il y a un câble new PS2 que MacDish m'a prêté J'ai fait des tests avec cet après euh, j'avais pas le son à droite alors euh, moi ma PS2 avec le câble RGB bon le son euh, ça va il est il est, il est, il est normal, il n'y a pas de problème. Mais là avec son câble Youve le son sortait pas à droite. Peut-être j'ai j'ai fait des petits des petits problèmes de branchement, je réessayerai après le après le stream. Après son câble peut-être un problème aussi. Salut Nigel, salut Benjamin, salut Herder Herbert excuse-moi Endo. Arnaud, comment que ça va les mecs Alors Usiris, toi qui aimes les BTU, est-ce que tu as essayé Slave 0 x Non, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé euh, Slave 0x, j'ai contacté les développeurs pour leur demander un code, bon ils m'ont pas répondu, voilà, peut-être qu'ils ont pas vu mon message, je sais pas, mais bon, on a tellement de jeux à jouer, mais il a l'air sympa, il a l'air sympa, donc de ce que j'ai vu, hein, les gars, euh, Slave 0x, ce, ce, ouais, c'est du jeu 32 bits, hein, genre Saturn PS1, ça ressemble pas mal à, a priori, à, à Guardian Heroes, enfin, hein, il y a une inspiration Guardian Heroes, donc pourquoi pas, pourquoi pas, ta première console Master System, quelle année alors moi ma master, Alors non, moi ma master je l'ai eu très tard, je l'ai eu très tard mais en fait j'y ai joué à l'époque parce que j'ai un copain, euh, bah, j'ai un copain d'école qui l'avait, voilà. Et puis euh, bah, comment dire, le soir quand on sortait de l'école, euh, mes parents ils débauchaient tard donc du coup bah, j'allais chez lui, on faisait les devoirs, on goûtait tout le bordel et après on jouait à la master donc j'ai connu la master. Après ma master moi je l'ai eu oh, oh, franchement tard, hein. assez tard hein, ma master, hein. peut-être peut-être même après la PlayStation hein, tu vois, voilà. Salut Sébral il va bien Magnish Je l'ai même pas vu. Je l'ai même pas vu ce qu'il est passé en bas. Euh, j'étais parti bouffer chez mon vieux. Euh, ce midi, comme tous les midis. Il est passé, j'étais pas là. Il y a une pharmacie en bas, euh, en bas de chez moi. Il a laissé le câble à la pharmacie. Bon, oh, je le verrai après Ramadan. Ouais. Salut Azuka. Benjamin as le bonsoir. Dozaki. Bah, pareil, hein, je sais pas s'il est en live, je sais pas où il est. Mais des bisous à notre Ozaki, bien sûr. Iceman, euh, moi aussi, première console master, elle m'a marqué à vie, mais oui, oui, oui. Donc comme ça, moi j'ai eu la chance bah, d'avoir euh, joué aux deux. L'époque hein, d'avoir eu euh, bah, la NES, moi j'avais la NES, puis j'ai un copain qui avait la Master. Voilà, Duff salut Duff salut l'élite des bolos. Ah <laughs> ouais, septembre 87, j'avais 9 ans. Oh putain, hein. ah ouais, ça date, euh... ça date mon Yako. Là. Salut Jack, comment tu vas, Jack Je me régale sur Vanquish, du coup je suis en train de tout refaire. Ah, mais c'est bon ça. Bah, c'est ça le but, les gars, c'est vous présenter des jeux, et puis euh, des jeux qu'on connaît, des jeux qu'on connaît pas, qu'on a fait, qu'on n'a pas refait, tout ça, et puis bah donner envie. Euh... Donner envie de s'y remettre, voilà. Alors, tiens, je vais ouvrir le paquet de chips. Alors, ben, bah, j'aurais bien dit, euh, voilà, j'ai dit, dit à mes mères, j'ai dit, bah, si tu veux passer, euh... mais bon, mes mères, ben, bah, fait le rabbinant, donc elle est deg, hein, parce que moi, je vais me taper des chips c'est pas elle. Salut Manuti, comment tu vas Alors, à l'occasion d'une vidéo sur ta Neo Geo Pocket, j'apprends que tu as traîné à la roche -sur yon Ah, bah oui, je fais, bah, tout moi, tout mon lycée là-bas, moi, je t'ai demandé à la base, ouais. Peut-être que j'ai donc un avenir en tant que Vendéen involontaire. Moi, je suis pas né en Vendée, hein. mais j'ai fait une grosse partie de mon enfance et toute l'adolescence en Vendée. Manuti. Voilà. J'étais au lycée à Notre-Dame-du-Roc. Voilà, pour ceux qui connaissent, les mecs. Mon Geekspile, perso, j'ai commencé le gaming sur un CPC 464. Ouais. Tu les vends tes cassettes VHS à droite Ouais. Bah, je cherche à les vendre, même à pas cher, mais ça a du mal à partir, hein. je t'avoue. Taille potop, ouais, tout ce tas de merde là. Il n'y a personne qui en veut ici, là. Master System, je crois que c'est un peu un console, j'ai touché, genre 88. Putain. Vous êtes des vieux de la vieille les gars. Alors, euh, j'avais joué à Thunderblade, Trop dur. Ouais, je n'ai l'ai pas creusé, Thunderblade Master. Depuis que, depuis que je l'ai là. Salut Gremlins 14, comment tu vas Par contre, euh, sur Mega Drive, il pique. Hein. Putain, alors bon, la réalisation. Ok, bon, elle est scalée hein, Ça pique. Mais même le jeu, il pique, hein. Putain. Alors, Olive, et rappelez-vous que si on est là, c'est un vrai travail d'équipe. Ah, bah oui. Ah, bah, bien sûr. Évidemment. Cheers. Voilà. Je me suis pris des petites chips au paprika. Voilà. On se met bien. Alors. Salut, mon Flavio. Comment que ça va <coughs> Arnaud. Un poteau pour moi pour l'apéro. Je suis encore au taf. Ah. <laughs> DBORGG, ta vidéo d'Oulouragon 2. Ouais, merci, Greg. Bah, c'est oui, c'est mon le préféré sur. Euh... Sur Game Boy quoi. Puis bon, bah très content d'avoir sorti le One Life en hard. Hein. Voilà. Arty, c'est une belle région la Vendée. Ah mais carrément Moi j'aime bien euh, vivre en Vendée, hein Mais bon Voilà, c'est tout, tout, tout le système français qui me convient plus, quoi. Johnny John Alors Johnny Alors attends Ah ouais, t'es né où ah, Moi je suis né à Chartres hmm. En fait, mes vieux, j'étais dans le coin là-bas. Bah quand je suis né ensuite, ils ont vite déménagé. J'ai fait ma petite enfance en Dordogne. Voilà. Et puis après, je suis arrivé en Vendée. Euh, on est arrivé en Vendée. Ça devait être... Ah, euh... oh, je sais plus. Oh ça devait être 86. Ouais, un truc. Dans les 86, par là, un truc comme ça. Mais... Euh, on va dire, mes premiers souvenirs d'être humain, c'est <coughs> en Dordogne. <coughs> ouais, on s'y fait un peu chier la bite. Bah ça dépend où t'es, Manu. Hein. Hein. Mais c'est vrai que à la roche maintenant il n'y a plus rien. Il hein. n'y a plus rien. Les caches sont fermées, les magasins de jour fermés. Là il y a le Dynamite Game il a fermé. Il n'y a plus de salle d'arcade, il n'y a plus rien quoi. Il n'y a, y a plus rien en... à la roche. Hein, voilà. Master System à première console de souvenir. Hein. Manu, faut que tu ailles voir Loïc à Fontenay À Dynamite Game à Fontenay. Là. Tu, tu rentres dans le magasin, tu dis salut les mecs, salut les boloss, il va te mettre bien là. Mon Ridic qui offre 5 abonnements, c'est cool. Je suis en retard, hein, je suis en retard sur le chat. Rastan ça 2, mais il y a eu, Vous savez pas ce que vous loupez, les mecs, mais j'adore. Bah. Mm. Alors, toc toc. Voilà, je défile, les gars. Alors, j'ai habité 6 ans à Chartres, quartier de la Madeleine. Ouais, je connais pas. Moi, moi Chartres, je connais très très peu. Hein. Ouais, je suis né là-bas, mais je connais très peu. Limonée, quand tu vas, Limonée je t'ai envoyé une invite sur Dead by the Lads. Euh, Zimone. D'accord, ok. En général, on fait des parties de Dead le, ouais, le dimanche après. Voilà. Salut, masqué euh, du, ca... du 14. Voilà, comment qu tu vas Alors, qu'est-ce qui t'a saoulé dans le système français, là <laughs> euh, Bah, tout, hein. Tout, euh, tout. Ah, euh, tiens. Hein, tout. J'adore la France, mais je peux plus y vivre. Voilà. C'est... Euh, je me sens pas libre, les gars. Je me... Voilà. Peut-être c'est peut-être un peu aberrant ce que je vais dire, mais je me sens pas libre. Euh... Salut mon Geoffrey je me, je me sens beaucoup plus libre ici en Tunisie. On fait ce qu'on veut, ben on n'a pas de contraintes, on est bien, on est cool. C'est pas forcément une question monétaire. Voilà, que la vie est moins chère ici et tout. C'est un avantage, bien sûr. Mais non, mais c'est une question de. C'est voilà, une question de mentalité, quoi. Alors, mon Ben, Warty Wartog. Attends, je, je redescends. Salut Nana J'ai acheté Dark Messia 1,28€. Oh putain, c'est bon ça c'est sur, euh, sur quoi Sur PC Nijempo Le multis so, euh, et le solo à voir, j'ai entendu du bon à l'époque, ouais. Oui, alors j'y ai, ai joué. J'ai joué à Dark Messiah, je l'ai fait sur 3-6. Alors le jeu techniquement, il a la ramasse, hein, le, le jeu il est dégueulasse. Mais alors franchement, il déchire. Franchement, il déchire, tu vas t'éclater à jouer avec. Hein. Manu, à Dynamic Game Fontenay, je note, ma fille va faire son stage au CAP Dynamic Game de Chaland. Ah bah oui, c'est Arnaud qui est là-bas. Ouais. Arnaud, le, le big boss de, de Dynamic Game, hein, d'ailleurs. Voilà. Mais euh, Manu, ouais, donc euh, Dynamite Game Chaland, il se peut que tu trouves des trucs. Enfin, en rétro, hein. Voilà. Il y a Dynamite Game aux Herbiers. Il y a JP, je le connais pas, JP. Faudrait que j'aille le voir. Et puis, t'as bah, mon Loïc à Fontenay, c'est la caverne Baba son bordel. Hein. Je veux dire, hey Manu, même si, je sais pas, t'as as une heure de route pour aller à Fontenay, je te jure que ça vaut le coup. Je te jure que ça vaut le coup d'aller voir la, la caverne au trésor à, à Loïc. Hein. Va, va voir ma vidéo qu'on a fait euh, en juillet dernier, là. Je l'interview et tout, puis il fait un petit room tour de son magasin. Mais je te jure, t'en as, as pour une demi-journée pour, pour tout voir ce qu'il y a dans son bordel. Hein. Et, en, et en rétro, tu vas trouver des trucs. Hein. Tu vas trouver des trucs et, et, et à des prix, euh, des prix cool. Pas des prix de merde, quoi. Voilà. Jacques, leur putain de démat pourri va euh, tuer tous les magasins. Ouais, mais de toute façon, ouais, c'est un peu inévitable. Hein. Ouais. Mon JB, comment tu vas, mon JB Mon JB qui m'a encore bien aidé aujourd'hui, hein. Avec, euh, avec la presse. Herbert, oui, il y a une démo dispo, euh, Demon of Astborg, exact. Voilà, mais euh, Herbert, mets le, mets le lien du Indiegogo là. Parce que, euh, donc, euh, Neofide, il lance un Indiegogo pour euh, faire le portage Demon of Astborg DX sur GBA. Et NeoGeo d'ailleurs, il passe en live ce soir chez Biggie. Biggie m'a demandé si je pouvais passer et tout, mais bon, euh, le soir c'est un peu compliqué, mais je vais voir. Je vais voir. <coughs> Retroskill 0, quand tu vas Salut Descartes Comment que ça va, les mecs? Alors, je remonte un peu. Salut, Nana. Ouais, alors je me suis acheté casser ma collection en Micromania 65 balles. Je dépassais ma limite pour un jeu la première fois. C'est en quoi? C'est en Switch, euh... Nana. Ouais, s'il était en France, pas du euh, youtubeur autonome. Le DG, ouais, ça serait compliqué. Ouais. Ça bah là ça serait plus compliqué, quoi. Hmm. Non, non, je suis bien où je suis, les gars. D'ailleurs, excellente nouvelle, les gars, excellente nouvelle. Le douanier qui me faisait chier il dégage C'est mon pote qui reprend sa place à, 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 à la poste Et là il reprend sa place vendredi là Donc ma mère elle est en train de me préparer deux colis de 15-20 kilos Puis là je vais enchaîner là Je vais enchaîner Et du coup tout ce qui est gros et encombrant On va garder ça pour le, le transporteur privé Mais là là, les mecs je vais faire venir euh, Là ce mois d'avril là Je vais essayer de faire venir une chier de jeu les mecs hein. Genre j'en ai plein le cul moi. Je, Tous mes jeux PS1 je les veux ici je les ai pas euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre pourquoi, pourquoi pas toute ma collection Nito 64 Ça serait cool Je parle des jeux hein. les, les, les consoles en boîte euh, Bon voilà quoi euh, bah, Jaguar ouais, J'ai pas la console Donc c'est rien euh, Alors éventuellement J'aimerais bien déblayer toute ma collection SNES hein. Franchement j'aimerais bien déblayer euh, Toute ma collection SNES Le problème c'est qu'il en reste une pelle à chier hein. allez, allez voir mon live hein. allez, allez voir mon live de, de cet été L'été dernier Et c'était 80 jeux encore là-bas Ouais, merci, Arbera, ah, t'as bien fait de remettre le lien. Transporteur euh, privé, euh, il va euh, bicher, ouais. Non, non, mais il est... Euh, voilà, bon, bah, il a, il a fait ses preuves, hein. Ça marche, hein. Ni offert un abonnement à Retro Skill 0 c'est cool. Alors, attends. Ouais, pour vous montrer, les gars. Euh, attends, on va faire ça. Voilà, là, vous voyez mon paquet de chips, mais attendez juste pour vous montrer ce que j'ai en SNES ici là. voilà vous voyez les gars là voilà tout, tout ça tout ça c'est la SNES là et ça ce que vous voyez là là c'est euh, à peu près euh, pff, ouais la, 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 moitié, euh, la, la moitié de ma collecte, quoi et encore et encore parce que là il y en a combien là alors attends 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 euh, un, neuf, euh... Ouais, a... ouais, ouais c'est ça. Ouais, il y a, y a, y a environ... Il y a pas loin d'une centaine de... Ouais, 99. 95, sans jeux SNES en boîte. J'ai à peu près autant en France. Que de la boîte, hein. Mm. Type top, Vends toi tes DVD euh, VHS et tu, euh, tu seras encore plus libre. Ah oui Ouais Ouais, <laughs> ouais. ouais Olive Le douanier, il toi ouais, c'est bon. Salut Goldgot Alors MD tu auras pas tricon le bordel. Mais MD putain. Non. Mais MD, bordel. MD, c'est un truc de malade. Euh... Tiens, regardez, les gars. Là, ce qu'il y a derrière moi, là. Vous voyez là Voilà, tout ça, c'est du Mega Drive là. Il y, y a juste des... Euh, voilà, deux rangées de jeunesse en loose là. Euh, plus il euh, y en a encore ici. Voilà, sur le côté du Mega Drive. Toc. Vous voyez là Hop. Une petite, une petite colonne là. Une petite colonne là. Master system, il y a à peu près tout là. Bah plus, bon bah plus ce qu'il y a sur le mur derrière. Hein. Voilà. Et puis mes Drive, il y en a une pelle à chier dans mon salon, hein, accrochée au mur. Et en France, je dois en avoir. Euh, Combien il en reste? Encore 80, 100 jeux, encore, peut-être plus. Sayuka oh. joue le douanier reste en taule. Non, en fait, il, il, il est sorti, mais il repart à Sidi Bouzid. Sidi Bouzid, c'est à 100 km à l'ouest de Spax. J'appelle ça, c'est des bouseux. <laughs> Salut rose comment tu vas ouais. Alors dire que dans 30 ans, les jeux PS4, PS5 seront vendus à prix d'or. Bah, là, je sais pas. Bah, Geekspide, il y a les, les jeux que tu m'as envoyés. Ils sont chez ma mère. Voilà. D, DG va construire sa maison avec des murs de boîtes de jeux. C'est ça, en fait. Hein. Donc, du coup, Geekspide, voilà le, le petit colis que tu m'as fait, là. Mon cadavre, je sais pas si t'es là aussi. Là, le, ton colis, je pense qu'il va avoir le temps d'arriver. Merci Nikuman, merci pour les, les, les abonnements offerts, ça fait plaisir, merci Nikuman, donc du coup, euh, bah oui, parce que pour info, par exemple, Geeksfile, il m'a fait un petit colis, il voilà, un de plus, hein, c'est pour le premier, il m'a offert quelques jeux, dont le Street Racer, les mecs, Street Racer PS1, Alors, vous allez me dire, ouais, c'est du petit jeu, ça coûte pas cher, bien sûr, mais euh, parce que là, j'ai la version Saturn, voilà, mes jeux Saturn, j'ai déménagé, ils sont tous là, là. donc, Versus, Versus Street Racer PS1 Saturn. Également, dans le colis, j'ai prévu de mettre Street Racer Mega Drive Super Nintendo. Voilà, puis tout un tas d'autres jeux. Mon G, jeu, mon jeu, il y a les jeux que tu m'as envoyés aussi. Enfin, toi, il, y a, il y a tout un tas de trucs, il y a tout un tas de trucs que tu m'as envoyés, c'est chez ma mère. Donc, on va faire que ça vienne, quoi. Salut à l'axe comment tu vas Oh la loose euh, les mecs, moi j'ai full set, mais même hein, mais on émule. Ah bah oui, mais on émule, il Et on émule, ça prend pas de place Ça, je vais l'avantage. <coughs> Herbert, des Wonderboy, il y en a plusieurs sur Mega Drive, oui, oui. T'as le 3 qui est en Shoot'em Up. Euh, bon, bah, t'as le 6. Enfin, c'est le 4 en Jap. T'as le 5. Voilà, il y a au moins cela. là euh, avec le. Ouais, c'est fantastique, Didzy. C'est pareil, je crois qu'il y en a deux. Crois... Un ou deux. J'en ai un. Hein. Didzy, je l'ai. Je ne sais plus si y a. Nijempo, tu l'as FF6 sur SNES Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, Nijempo, j'ai tourné la review. La review de FF6 SNES, elle est prête, les mecs. Voilà. Euh, où c'est qu'il est là? Tiens, bah, je peux te le montrer, il est là. Alors. Hop Voilà. Mon mien d'époque, archi complet, la notice, les deux posters, les cartes, tout le bordel. Alors, il y a des cartes qui ne sont pas en forcément très bon état. Mais, euh, mais voilà. Mon mien d'époque que j'ai euh, terminé. Voilà. Et il y avait le bug, hein. La fin, euh, la fin a coupé, c'était écran noir. Au début, je croyais que c'était une mauvaise fin, que j'avais pas fait un truc. Puis. Euh, et, puis euh, et puis voilà. Puis bah, du coup, j'ai appris après que. Euh, en fait, c'est un bug. Stop the zombie, oui, voilà, oui, mon Geekswell notamment. Ça, direct, hein, Ça, ça va être dans le colis, Ouais, ouais, non, mais ça, on va faire un live direct. Mais direct. Tes chats font pas le ramadan, on les voit pas. Ah non, hein. Ramadan, rien à foutre. Et j'ai, bah, le FF6 que tu m'as offert, hein. Ni En version PS1. Descartes, j'ai fait les enchères week-end, ma femme euh, qui joue euh, pas et enflammée sur le bouton, elle a remporté euh, Mega Drive 2 en pack à la d'incomplet, Bonjour le prix du bousin. Oh putain, ça a dû piquer mon décarde. là. Hmm Astéro, tu doses encore, style bataillon Alors pas pour le moment. Parce que la manette elle est incomplète. Voilà, elle est là là. Voilà. Il manque la partie gauche parce qu'il y avait un faux contact comme je vous ai dit là euh, avec le stick analogique. Euh, je l'avais passé à un pote. Bah là au moment au moment où on l'a streamé là, la dernière fois sur Twitch, donc ça fait quoi un mois, un mois et demi. Le lendemain, je l'ai passé à mon pote pour... Euh, voilà, j'ai ouvert le bordel. C'est un problème de faux contact, c'est pas, pas très grave normalement. Puis mon pote était débordé, il a, il, est dé il a déménagé à Tunis, donc il a pas eu le temps de me le faire. Et là, il l'a déposé euh, bah, chez mon pote Marv, là, ça fait au moins euh, bah, depuis le début du ramadan. Mais bon, alors le ramadan, c'est le bordel. Alors bah, depuis, alors, il l'a pas touché, il a pas eu le temps de la réparer. Et puis, euh, bah, faut que j'aille la chercher chez lui, là. Voilà. Donc je vais, je vais essayer de le réparer moi-même. C'est un problème de faux contact euh, quand, 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 je, voilà, c'est l'analogique pour regarder. Et, et, elle est sur la, le stick qui fait droite gauche pour pivoter. Et quand je fais gauche, bah, ça, ça l'analogique. Ça fait, ça crée plein de faux contacts. Donc, euh, donc, va falloir que je teste tout avec un multimètre et tout. Oeil de lynx, déjà, j'ai chopé un cyberpunk. Depuis ta vidéo, par contre, 80 go de mise à jour. Ah bah oui, il y a de la mise à jour, t'en as. Hein. <laughs> mais, mais tu vas adorer. Tu vas y jouer sur quoi, y là Alors des nouvelles des Game Gear. Alors j'ai passé les trois que tu m'as filé Bruno à l'ami Franck, euh, qui devait aller voir un mec euh, qui travaillait chez plus où. <laughs> Le mec qui devait changer euh... Donc déjà les réparer. Enfin en réparer au moins une. <laughs> me changer l'écran et si possible me mettre un, une sortie VGA. Parce que comme ça, bah avec une sortie VGA, on, on va pouvoir streamer de la Game Gear. Euh, mais réel hardware, quoi. C'est-à-dire, je prends un câble VGA, je le branche là, vous voyez, sur le... Je vais vous montrer là-bas. Voilà. L'OSSC là. Vous voyez ça Ça, au fond, c'est le boîtier de capture. Donc, ça, c'est la Xbox One. Et ça, c'est l'OSSC, les gars. Donc, vous voyez, il y a la prise Péritel. Il y a le, le UV ici. Et puis, il y a du VGA. Euh, je ne sais plus de quel côté il est là. Voilà. Donc, euh, putain. Et euh, donc, comme ça, avec un câble jack stéréo, bah, je branche la Game Gear. Sur le boîtier de capture, ça, ça capte le son nickel du coup. Et puis, euh, et puis hop, avec le VGA, ça permettrait de capturer l'image, mais sur Real Hardware. Donc, euh, ça fait un moment, j'ai pas eu de nouvelles de Franck. Faudrait que je leur lance, euh, mon Bruno. Mais bon, Franck, je lui fais confiance, y a aucun problème. Voilà, bon, a aucun problème. Puis j'ai dit à Franck j'y prends ton temps. Le problème, c'est qu'il avait contacté le mec et le mec, il était à Niort et je crois il a déménagé. Enfin, où, où il était, à Sainte, il est parti à Niort, je sais plus. Un truc comme ça. Mon fixo qui offre deux abonnements et ça pète le, ça pète le train de la. hype. Putain, vous êtes des cadors les mecs là. Alors, ça déchire tout. Alors, attends, je regarde si je. Euh, ouais, les gars, il euh, y a trop de messages là. Mon fixo, ouais, merci mon fixo, les 2000. Chibro, salut mon Chibro. L'homme de tous les records, bonsoir à tous. Ouais. Oh, tous les records, c'est vite dit, mais bon. C'est chaud pour trouver des gens en brocante, ouais. Non, mais en brocante, c'est mort, hein, je veux dire. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Alors, ouais, ça pique, euh, je sais même pas euh, comment je vais spéculer à la bouffé la marge. <laughs> salut Titouille, comment tu vas alors, bonne pêche, j'ai fait une brocante lundi, je suis revenu avec 3 kilos de pommes. Ah ben voilà. Il <laughs> y a 20 ans, il y a 20-25 ans, tu revenais avec euh, C'est même pas avec 3 kilos de jeu, c'était plus que ça. Tu dépensais 200 francs, tu remplissais le coffre de ta bagnole. Hein. Mais, euh, mais mais j'ai. Mais je, je rigole même pas en disant ça. Hein. Hein. C'est du vécu les mecs ça. Hein. Comment tu vas mon DJX Bah écoute, ça roule. Tout va bien, mon fixo. Alors, ouais, la prise VGA sur la Game Gear, t'as aussi possibilité de mettre deux prises manettes. Ah ouais, manette, euh, manette quoi, du coup, manette Master System. Après, je suppose qu'on peut mettre euh, les manettes Mega Drive aussi. Bon, les manettes, je m'en fous encore. Moi, ce que je veux, c'est un bel écran. Voilà, parce que ma ma Game Gear, elle est d'origine. Voilà, j'ai mon copain, mon copain Karim qui la récap au niveau des condos. Euh, on a changé le backlight, on a mis un backlight DS. Ça marche, un hein. Nintendo DS, c'est le même backlight, les mecs. Hein. La la DS Light. La DS c'est le même backlight. Et, euh, donc, j'ai trouvé une, back... enfin, une DSHS là. Je lui ai filé, il a récupéré le backlight. Il a mis sur la Game Gear et il m'a dit que ça consomme beaucoup moins de piles comme ça. Et, euh, et c'est vrai, je confirme. Hein. Et, euh... Mais bon, alors l'écran reste d'origine. Donc, ça, ça pique quand même, les gars. <laughs> alors, Geekspile, début 2000, les jeunesses complets. Ou pas, ça ne rien. Ça partait à la poubelle. Hein. Je te jure. Hein. Mais moi, je me souviens, j'ai encore l'image d'un gosse. On était en brocante, je sais plus où, en Vendée. J'étais avec mon pote Charlie. Et on, on tombe sur un gamin, je sais pas quel âge il avait. Euh... Oh, je sais pas, 12 ans, 12, 13 ans. Il enfin, était ouais, pas. Il y avait une une NES en loose. Euh, la NES avec les câbles enroulés autour. T'sais. Même pas de boîte, la, la manette. Puis y il avait, y avait ça de jeu. Mais des jeux en boîte. Hein. Après, c'était des trucs communs. Il y avait du Mario 1, Mario 3. Mais voilà quoi. Et puis, euh, pff, on voit ça avec, avec mon pote Charlie, on regarde, oh, putain, mais qu'est-ce qu'on va en faire, quoi Le gamin, il nous dit, euh, il, il, il nous dit, ouais, on s'en fout, euh, euh, limite, vous donnez le prix que vous voulez, quoi. Alors, il y, y a sa mère qui se ramène, elle me dit, ouais, est-ce que 100 francs France, ça vous va, quoi oh, faut Elle m'a dit, bah, de toute façon, elle m'a dit, c'est pas compliqué, si vous la prenez pas, ça part à la poubelle. Les gars, ça, quand elle a dit ça, j'ai dit, ok, c'est bon, vas-y, tiens, prends tes 100 balles et puis on va la sauver, la NES. On... Même, on trouvera un copain, on lui donnera les jeux. Je sais plus, il y avait peut-être un, un ou deux jeux que je devais pas avoir, je me suis gardé, mais bon, enfin. Mais, mais, mais ça, des anecdotes comme ça, mais, mais, mais plein les mecs, mais plein, c'est les, les trucs qui partaient à la poubelle, c'est un truc de fou. Alors, les enchères, il faut pas aller dans les spéciales jeux vidéo, il faut aller dans celles un peu génériques, ouais. Ah ouais, ça, ça se fait qu'ils bouge hein, hein. 30€ euros pour un jeu, pas très rare, je parle. Ouais. Alors. Ouais mon jambon, comment tu vas mon jambon 2000 et eh ouais, merci mon jambon. J'ai vu Nintendo 64 en boîte défoncée 300 euros, j'avais su, mais moi je suis pas étonné. Hein. Attends Nijempo, tu parlais de quoi là Attends je remonte là Alors. D'ailleurs, attends ouais, hop. Maintenant avec 30 euros, t'as un jeu Game Boy, ouais, MD... ouais, un jeu Game Boy en lose. Je vais, vais vous balancer une anecdote, les gars, vous allez être gars hein. Les gars, enfin, j'ai failli avoir un Metal Slug original. En AES, hein. En AES. Explication. On était sur euh, iBazar. On était sur iBazar. Donc là, on était en euh, ouais, ouais. J'étais à Bordeaux. Je venais juste d'arriver à Bordeaux. Donc ça devait être. Euh... Attends que je me souvienne. Oh putain. Ouais, ça devait aux alentours de la rentrée 2000. Ouais, aux alentours de la rentrée 2000, à peu près. Donc je regarde les enchères sur le, le... Ouais les enchères, les ventes, parce qu'à l'époque, qu il y avait pas, de... il y avait pas de, il y avait pas de prix fixe, hein, je crois. C'était, euh... enfin, tu sais genre des annonces. Vend tel jeu par exemple 100 francs, non, c'était que des enchères en fait. Et, euh, et donc je trouve une annonce, il n'y avait pas de photo, et c'était marqué Metal Slug Neo Geo, enfin tu sais, un truc simple quoi. Et il euh, n'y et, euh, avait pas de description, euh, je sais plus, vente cassette, euh, vente cassette Metal Slug Neo Geo, enfin tu sais, quelqu'un qui connaissait pas quoi. Et elle était aux enchères, et puis bon, bah là on était à, je sais pas, 100, 100 ou 200 francs quoi. Voilà, à genre 2-3 jours de la fin. Alors, du coup je me suis dit, bon, à tous les coups c'est un MVS. Alors du coup j'ai posé une question euh, au vendeur, qui apparemment c'était une nana, elle a expliqué, elle a dit ouais c'était à mon fils, euh, il est parti, genre je sais pas, il est parti faire le service militaire ou je sais pas quoi. Elle m'a dit il y a juste la cassette, il n'y a pas de boîte. Elle, elle a répondu ça, il n'y a, a pas de boîte, il n'y a pas de notice. Bon j'ai dit c'est un MVS, voilà. Et pour être sûr j'ai dit euh, est-ce que, euh, est que vous avez une étiquette sur le, la cassette avec l'image du jeu Et elle m'a répondu, elle m'a dit oui. Parce que j'ai répondu, je dis bah les, les formats euh, arcade, les euh, limites c'est... C'est <coughs> un bandeau sur la tranche avec marqué Metal Slug ou une écriture japonaise Et là la nana m'avait bien répondu Elle m'a dit non non il y a bien un sticker Enfin euh, une étiquette qui est un peu recourbée sur le haut Avec euh, le, le, le un dessin qui part comme ça Donc là les gars c'était une, une version AES Là il n'y avait plus de doute c'était un AES Sachant que là début 2000 euh, les convertes ça n'existait pas hein. <laughs> Ça n'existait pas les mecs hein. Et elle m'a dit ouais elle m'avait répondu J'avais discuté un peu avec elle Ouais c'est à mon fils euh, Bon il est parti je ne joue plus avec et tout Je gagne l'enchère Les gars je gagne l'enchère je savais pas si c'était un US ou un Jap. Hein. Bon. Je gagne l'enchère. Je gagne l'enchère à 700 francs. 700 francs, les mecs. Quand même. Hein. Et la nana elle me répond euh, Ah, je suis désolé et tout. Euh, je me suis fait harceler. Et euh, donc, elle, elle était dans le 78 vers Versailles, je crois, un truc comme ça. Elle m'a dit Il y a un mec euh, qui m'a proposé 500 francs et il est venu prendre le jeu tout de suite. Euh, c'était une transaction euh, Manumitari. Puis, vu que c'était les débuts d'Internet, elle n'a pas su comment euh, euh, annuler l'enchère et tout, quoi. Donc, du coup, j'ai gagné l'enchère pour Metal Slug, qui normalement c'était une version AES. Et, bah, et puis c'est tombé à l'eau, quoi. Voilà. <laughs> Dommage, mais bon, c'est pas grave. Hein. Clément, moi j'ai un pote, sa mère achetait mes garages avec tous les jeux dans Street of Rage 3. Ouais, non, mais, 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 pff, mais plein comme ça. Les, 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 les mères, elles ont touché. Moi, ma mère, je sais plus si elle a acheté ou elle a, loadé, elle a donné mes jouets d'enfance, quoi. Il y avait une partie de, de mes maîtres de l'univers. Et surtout, les mecs, les monsters in my pocket. Les monsters in my pocket, je les avais tous. Je les avais tous. J'en ai reparlé à ma mère, il n'y a même pas à moi. Et ils étaient rangés dans une espèce de mallette bleue, vous savez, les mallettes euh, en plastique, Tu sais où on met les outils dedans. Genre les perceuses, les trucs comme ça, une mallette en plastique, mais vraiment du plastique super dur, quoi. Et ils étaient tous dans cette mallette bleue, je m'en souviens. Et, euh, et je l'ai dit à ma mère, je lui ai dit, c'est que tu l'as branlé cette mallette bleue Il y a tout, euh, toute ma collègue de monsters in my pocket. Elle m'a dit, je sais pas. Puis allez, ça fait des décennies, je l'ai pas vu, donc... Euh... À tous les coups, la vieille, elle l'a foutu, je sais pas où, elle l'a donné. Ou... Et puis ça a dégagé, quoi. Bon, c'est pas grave, hein. Salut Yann Donc là, côté anecdote, j'avais un ami qui se servait de jeu Game Boy pour caler son armoire bancale. Mais non. Ouais, de le loose. En loose, tu veux dire. Et le même ami d'époque, un jour, quand il est rentré d'école, il a trouvé uniquement les cartouches. Euh, NES et SNES, mais sans les boîtes. Ah ouais Sa mère les avait jetées que les notices, car trop de place. Oh, oh, oh. Mais oui. Mais Geekspile, ce que tu dis là... Je veux dire, mais c'est pas... Voilà, c'est pas isolé, quoi. <laughs> c'est pas isolé. Jack, ma mère m'a acheté euh, toute ma collection de Player One. Ouais, mais ça, mais c'est pareil. Mais Jack, mais combien, combien de mères ont acheté tous les magazines Moi, j'ai la chance, je les ai encore. Hein. Moi, j'ai de la chance, j'ai encore. Mais, mais regardez, les, par exemple, les, euh, les Banzai. Vous savez, les magazines en grand, comme ça, là, genre journal. Je crois, alors, j'ai numé le numéro 1, il me semble, mais c'est tout. J'étais persuadé d'en avoir beaucoup plus. <coughs> des Banzai, parce que je les achetais. Et j'ai ai retourné... Tout, tout le tout l'endroit où j'ai stocké ça chez ma mère Et impossible de retrouver mes bonsaïs. J'ai juste un bonsaï, je crois. Normalement, c'est le numéro 1, donc euh, c'est pas possible qu'elle les ait jetés. Donc à tous les coups, j'ai dû les prêter à des copains qui me les ont jamais rendus. C'est comme les Nintendo Player, je les avais tous. Et normalement, au moment où je vous parle, normalement, je les ai encore tous, sauf un ou deux. Il me semble que j'ai prêté celui avec euh, Ikit là en couverture. Je l'ai prêté à un gars qui me l'a jamais rendu. Donc, il doit me manquer celui-là et peut-être un autre. fois faudrait que, quand, quand j'irai en France, de toute façon, c'est pareil. Un jour, va falloir que ça vienne là, ça. <coughs> <coughs> Typotope, c'est bâtard qui te rende pas. Ouais, mais tu sais, Typotope, c'était des magazines. C'est hein, à l'époque. Euh. Tu sais, on les achetait. Voilà, on les gardait un mois, deux mois, trois mois. Après, c'était périmé. Et puis voilà, hein, on les prêtait à des potes, même si nous les rendait pas. Hein. J'ai cet enculé, là. Cet enculé de Jonathan. Là, Je me souviens encore son prénom, cet enculé, là. Il habitait à Orléans, ce bâtard là. Il venait en Vendée en vacances un été là. Je lui ai prêté, euh, j'avais quasiment tous les euh, les, euh, les clubs Nintendo les mecs Les clubs Nintendo Je les avais presque tous Je lui ai tout prêté, il est parti avec à Orléans Et puis cet euh, enculé Ouais mais c'est pour un copain, on va faire des photocopies et tout Tiens mon cul ne les a jamais rendu cet enculé Pourtant euh, je l'ai harcelé hein, pendant plusieurs mois au téléphone Je ai dit ouais Jonathan euh, mes, mes, mes clubs Nintendo, mes clubs Nintendo Ouais ouais t'inquiète pas, t'inquiète pas puis, tiens. Voilà quoi Jonathan, si tu regardes ce stream, je t'ai pas oublié, enculé. Enculé, 30 ans après, je t'ai pas oublié. Je suis sûr que tu les as pu en plus. Je suis sûr que ta mère, elle les a foutus à la poubelle. Mais Club Nintendo, espèce de raclure de chiotte, va. Purin. <coughs> enculé. <laughs> Alors, de lynx. moi je t'ai dégoûté de voir mes potes déchirer les boîtes carton SNES, ouais. Ouais, mais ça, ouais. Ouais, mais. On était tellement hypé à l'époque, on d'acheter des jeux SNES. On déchirait les boîtes, on voulait vite la cassette. <laughs> c'est un truc de fou. Ni j'aime pas, moi, je touche du bois. Ma mère s'occupe pas de mes affaires. J'avais le droit de foutre ce que je voulais dans ma chambre. Ouais, mais ça, c'est cool, tu vois. Moi, ma mère, ça va. Elle sait ce que ça coûte maintenant. Elle sait que c'est rare. Elle sait ce que ça coûte. Elle y touche pas. Voilà. Mais, euh, mais mes affaires qui sont là-bas, il n'y a, a pas de problème. Voilà, c'est rangé dans le placard, à l'abri de la lumière, tout impeccable. Mais qu'est-ce qu'il veut, cet enculé là Bon, oh, hé oh Putain! Connard de chat qui ouvre la porte là. Alors! <coughs> Qu'est-ce qui est jaune qui attend? C'est jaune. Attends. Ouais, attends, 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 attends. Ouais. Attends, attends. Parce que je me souviens de sa gueule encore. Hein. Les mecs, je vous, vous jure, si je leur vois aujourd'hui, même avec sa gueule de quarantenaire, une barbe et tout le bordel, je leur connais le mec. Je vous jure, je leur connais le mec. Ouais. Alors. C'est pas Jonathan qui t'avait piqué un jeu. Non, c'est euh, C'est euh, mon pote, mon pote d'enfance. Ça, ça fait encore plus mal, ça. Mon pote d'enfance, à, à, à qui à qui je faisais une confiance éternelle. Cet enculé, il m'a volé. Euh, mais ça, on l'a appris des années après. Il m'avait volé des monstres in my pocket. Et il m'avait volé. Euh, et ben, il m'a volé. Euh, donc Solstice et Fester Quest. C'est enculé, hein. mm. <laughs> Faut qu'on retrouve Jonathan. Alors, si tu t'appelles Jonathan, et que t'habitais à Orléans <laughs> début des années 90, et que t'avais une grosse collègue d'enculé de Club Nintendo, attention on va mettre on va mettre un, un prix sur ta gueule. <laughs> salut Larcher, salut Niette, quand tu as. Tu revois toujours ton pote Sigli... Ah non, bah non, 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 Thomas, j'ai plus de. Thomas. Bah pour info, parce que Thomas Vauclair, le maillot jaune, là, on a fait tout le, tout le, tout le BTS ensemble. Donc euh, Thomas, non, Thomas, non, Thomas, ça, Thomas, je ne l'ai pas revu depuis le BTS. Mais je suis sûr qu'il se souvient de moi. Mais euh, Voilà, euh, en, faisant, en faisant marcher 2 trois contacts, je pense que je pourrais avoir... Euh, je pourrais récupérer son, son téléphone. Prochaine fois, que, prochaine fois que je vais aller en France, <coughs> je vais essayer de récupérer son téléphone. Trop voilà. joueur On va te doser, Jonathan. One <laughs> tête Jonathan des live. <laughs> Alors, Jack, mets une photo si je le crois à Marseille, je le bute, je récupère les magazines. <laughs> oh putain! <laughs> Jonathan a tout revendu sur eBay. Non, pire, Nikuman, je pense que sa mère, elle a tout foutu à la poubelle. Le gars de tragédie, ouais. Ah, ça, ça c'est. Ouais, Nigel, ça, c'est de l'anecdote énorme. C'était c'était un. Ouais, je me souviens, Parce que bon, je fermais mon magasin à 19h, hein, voilà, comme la plupart des commerçants. Et puis, euh... mon comment tu vas, mon Ouais, merci, mon Ça fait plaisir. Et puis un soir, je ne sais plus en semaine, ça n'a plus le jour. Hein. Donc vers 18 <coughs> 17h30, 18h, il y a un des mecs de tragédie qui débarque. Je ne savais pas qui c'était. Puis le mec, ouais, tiens, je voudrais une Neo Geo et tout, machin. Donc euh, je n'avais plus de Neo, mais j'en avais une en commande. J'ai dit, bah tiens, il y en a une qui va arriver la semaine prochaine. Et j'avais des jeux. Il m'a dit, ouais, tiens, il montré montrait Samurai 4, Coff 18 euh, Ouais, je vais te prendre ça, 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 machin. Il me dit, la console, tu l'as fait combien je peux à l'époque on les faisait 220, je crois, en loose. Entre 200 et 250 en fonction de l'état. Bah, Tragédie, tu sais, c'était le groupe de hip-hop, là, ils étaient deux, là. Et puis, euh... alors je lui dit, au mec, j'ai dit, euh... ouais, moi je connaissais pas. Hein. Et j'ai dit, ouais, mais tu sais, bon, euh, ça vaut cher. Hein, euh... Non, mais il me dit, l'argent, c'est pas un problème, qui me dit. Alors le mec, il se barre et tout. Puis il y a un client qui était là, il me dit, ouais, tu l'as pas reconnu et tout. Puis je dis, non, c'est qui, ce, qui ce type Il me dit, ouais, c'est le mec de Tragédie. Alors je, je prends avec l'ordi, je à l'internet, je regarde, puis euh, je tape tragédie euh, sur l'Icos. <laughs> L'Icos, je tape tragédie. Et là je vois sa tronche avec l'autre. Ah oui d'accord, ah, ben, je comprends pourquoi il a du pognon. Moi vu sa tronche, je me je dis ouais non mais le mec il deal. <laughs> le mec il deal tu vois. Je me souviens pas. Non non mais personne se souvient des cards c'est normal. <laughs> Salut Julien quand que tu vas <laughs> Alors... <rire> Bruno, ouais. les boîtes vides 64 que je t'ai données, c'était des jeux qu'on m'a pas rendu. Alors Bruno, pour info, donc il y avait deux boîtes vides, il y avait Verali 99, enfin Verali, et l'autre c'est Killer Instinct. Tu sais ce que j'en ai fait, donc Verali du coup je l'ai gardé, parce que je l'avais pas. Donc comme ça, voilà, puis j'avais une cassette en loose qui traînait, donc comme ça c'est réglé. Et euh, du coup Killer Instinct, je l'ai offert à McDish. Voilà, parce que McDish, je crois euh, je crois qu'il, je sais pas s'il avait des jeux, euh, en, il a des jeux 64, hein, mais en loose, je sais pas s'il en avait au moins un ou deux en, en boîte, parce que je sais que MacDish il aime bien avoir, euh, bon, au bled vous, vous doutez que trouver des jeux en boîte c'est compliqué, des jeux en loose oui, mais en boîte c'est compliqué. Donc MacDish il, <coughs> il m'a dit j'aimerais bien euh, par console au moins avoir au moins un jeu en boîte. Alors je me souvenais plus s'il avait un jeu en boîte sur 64 ou pas. Donc du coup moi bon Bruno je lui ai offert, euh, voilà, je lui, euh, et le Killer Instinct ça tombe bien, il l'avait, il l'avait en loose. Donc du coup bah, ton ancienne boîte et notices, je l'ai offert chez McDish. Tu peux être sûr que ça ne bougera pas. <laughs> tu peux être sûr que là, c'est comme chez moi, ça rentre chez lui, c'est mort, hein, je veux dire. Hein. C'est ça, c'est gravé dans le mur après, hein, tu vois. <laughs> Flavio, ça aurait été le gratteux de Slayer, tu l'aurais reconnu. Ah oui! Ah bah oui, Kiri King, oui, bien sûr. <laughs> Ou Jeff Hanman, Mais enfin, je vois mal ce que Kiri King serait venu foutre dans mon magasin. Hein. <laughs> mon père qui a jeté euh, toutes les affaires j'avais laissées dans ma chambre quand je suis parti de la maison. Il y avait toutes mes notices de jeu Mega Drive, vous allez me dire, ah putain, ça c'est mal au cœur ça. Euh, de Lynx, vous pensez qu'il existe encore des trésors JV euh, dans nos greniers de nos jours Oh oui, je pense, hein. Ouais, c'est possible, hein. Ouais, 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 c'est possible, hein, euh, Delinx, hein. Le... Tiens, il n'y a pas plus tard que l'autre jour, là, a... il y a, genre, il euh, y a quelques jours ou la semaine dernière, c'est vraiment récent, il y a, y a quelqu'un sur euh, bah, un de mes posts Facebook euh, qui a indiqué qu'il euh, avait un copain à lui qui lui a offert une Mega Drive. Une méga Drive avec genre une pelletée de jeux quoi. Puis, euh, je, sais, mais je, crois, je crois que c'était sur la vidéo Alien Soldier. Voilà. Et dedans je me demande même s'il n'y a pas Alien Soldier justement. Parce que le gars il s'en foutait. Le gars il faisait des jeux. Il savait que ça allait lui faire plaisir. Et voilà quoi. Artie et euh, tu hype par le jeu de Moon Studio euh, qui paraît excellent euh, C'est lequel euh, Artie là oh. Lequel jeu Benjamin sur ce JV. Encore j'ai eu 2000 followers. Ouais merci Benjamin. Bis à toi, ça fait plaisir. Là, normalement, euh, avant de démarrer le stream, on était 2001, les mecs. 2001 et 186 abonnés, je vais vérifier là. <coughs> bah là, avec les abonnements que vous avez offert, ça a dû monter. Je vais regarder vite fait là. Euh, toujours 2001 et 199 abonnés, les mecs. Hein. Ça, c'est bon, les mecs. Ça, c'est cool. 104 de moyenne. C'est top, les mecs. Là, on est bien. Là. Alors, faut que tu fasses banisher Bah si j'en ai l'occasion, des cartes, oui. Il a pas de problème. Je, comme je te dis, hein, j'ai demandé un code, ils m'ont jamais répondu. Bon, c'est pas grave, hein, parce que là, j'ai... J'ai d'autres jeux sur le feu Là, là j'ai euh... Alors attends Parce qu'il y a des trucs Qui arrivent dans le Game Pass Il y a des trucs Qui arrivent dans le Game Pass Au mois d'avril là Qui m'intéressent bien il y, a, il y a un petit sous-like euh, Avec Ça se joue avec un homard Avec une direction un peu Genre Spongebob euh, euh, Celui-là je, je vais bien le tenter il y, a, il y a le jeu Spongebob Justement Qui est dans le Game Pass là, Le jeu de plateforme Salut mon Rika Rika Dada Comment tu vas <coughs> euh, Il y a un merde Comment il s'appelle Je l'ai racheté sur Xbox là, Le merde euh, Astalon, voilà le Astalon, j'aimerais bien refaire. Il y a mon Kada qui m'a offert Calisto Protocol donc celui-là faut que je le fasse. Il euh, y a machin là, Kingdom Come. Les gars, y euh, c'est genre il y a, y a deux ou trois semaines, il y avait Kingdom Come avec, avec tous les DLC, Et tout la totale. Kingdom Come qui était en, 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 donc en promo à quatre balles. J'ai dit vas-y à quatre balles, oui. En plus avec tous les tous les DLC et tout, vas-y quoi. Alors les Edouard et compagnie, je suis sûr ils ont moins de sub que toi. C'est oui c'est possible. hein c'est possible, Bah, déjà, j'ai vu à la Castle Geek. J'ai vu à la Castle Geek, le, 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 le pauvre Edouard, il midi, dit T'es tout seul. Voilà, les deux jours, le, le, le samedi et le dimanche. Et euh, parce que, alors, lui, Edouard, il est très scolaire. Hein, C'est-à-dire, on avait le stand youtuber. Lui, il était au stand youtuber. Hein, je veux dire, euh... voilà, il bougeait pas. Je lui, ai dit, je lui ai dit, mais Edouard, bouge un peu, putain, vas-y. Euh, regarde, t'as des bornes. Il y a plein de jeux à essayer. Alors, il y avait des gars qui passaient le voir régulièrement, mais je, et je vous jure. Non, et il était en promo à 10 balles, le artiste mais je vous jure, les mecs, j'ai, mais j'ai dû, enfin, les gars, pour ceux qui étaient à la castle, voilà, mon Jérôme, mon, Gé, mon Jérôme, si t'es encore là, euh, Harold, je sais pas si t'es là, et euh, bah, mon JB, t'es mon, mon JB, tu vois, bah, t'étais là, es, mon JB, vous, vous, pouvez, euh, vous pouvez, confirmer, vous, vous l'avez vu de vos yeux. Je, je pense, hein, je pense que j'ai vu au moins autant de monde que lui. Hein. C'est un truc de fou. Mais moi, j'étais pas assis au centre du tout, on bougeait, voilà, on discutait, machin, machin. Bah, mon Olive, tiens, toi, t'étais là, mon Olive. Peu cher, aide personne sollicité comme fan. Ouais, ouais t'as vu mon livre, t'étais là tout le, tout le samedi. Tu vois, mon ben, ouais, je confirme, tu vois. Du coup, le dimanche, bah oui, t'étais là, mon Jérôme, on a bouffé ensemble. Le dimanche midi, t'es tout seul. Donc, euh, je sais pas, on se pointe vers les, les, les cabanons à bouffe, là, il je sais pas, midi et demi. Puis on voit notre pauvre Édouard tout seul. Bah j'ai dit Édouard, euh, viens avec nous, reste pas tout seul. On a passé commande ensemble et tout. Voilà, on s'est installé à une table et puis on a, on a bouffé ensemble, quoi. Voilà. Est-ce que t'étais est là, mon Ben Je crois que t'es pas venu la première, toi je ne t'en Est-ce que tu reviendras à la prochaine casse Non, non, Jack, non. Non, 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 non. C'était cool, hein. Euh, voilà, moi, faire enfin, faire ça avec Damien et tout. puis... Voilà, rencontrer une grosse partie de vous là-bas, ça m'a fait super plaisir, les mecs. Rencontrer mon Ben. Voilà, mon Ben, que ça fait au moins plus de 10 ans. <laughs> mon Ben, plus de 10 ans qu'on se connaît. Voilà, rencontrer mon JB, tout ça. Rester collé à sa chaise. Ouais, c'est ça, hein, voilà. Edouard, il restait euh, très réservé, Edouard, ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça ça m'a fait plaisir, les mecs, mais, euh, mais c'est éreintant, quoi. C'est éreintant, ce, ce genre d'événement, quoi. Tu vois. Puis, moi, moi, vous me connaissez. Je veux dire, j'aurais pu bah, rester assis euh, à côté d'Edouard, tranquille. Voilà, et puis euh, euh, poser mon cul sur la chaise. Ouais, salut GX, oh, on adore ce que tu fais. Ouais, merci, c'est gentil, machin. Allez, euh, voilà, un petit autographe. Allez, c'est bon, next. Ah non. Enfin, je veux dire, mais non, quoi. C'est juste pas possible, quoi, je veux dire. Voilà quoi. Alors, avec qui Edouard va manger du coup Ah bah je sais pas, qui Bouche. Hein. Il, il trouvera bien quelqu'un, hein. enfin bon. Marmotte, salut Marmotte Tiens, un moment, bah, dans la c'était euh, pareil, c'était le dimanche. <laughs> euh, bah, je, je partais du, du hall où il y a justement la bouffe. Pour revenir au hall là où il y, y avait les bandes d'arcade et puis les... Comment dire bah, les, le, le stand de youtubeurs. Et puis bah je croise quelqu'un, enfin un couple. Ah oh, des GX, euh, tiens, est-ce qu'on peut parler avec toi, machin Est-ce qu'on peut faire une photo et tout Bah je dis bien sûr puis voilà, on a discuté euh, 5-10 minutes. Et là, il y a Damien qui passe avec euh, Bernard Minet. Et Bernard Minet il me fait une petite tape dans le dos. Euh, et euh, donc je me retourne. Ah, salut Bernard Tu vois, alors, je lui serre la main et tout. Parce que Bernard, il partait en dédicace. Euh, voilà, euh, à, côté, à côté du stand YouTuber, il voilà, y avait un stand pour faire des photos. <coughs> et puis les gens, ben, ils faisaient la queue pour faire des photos avec, euh, avec Bernard Minet. Et puis donc Bernard, en passant, parce que Damien il me l'avait présenté euh, avant, donc Bernard, il passe. Ah, salut Bernard, et puis les, le, le couple avec qui je discutais dit Putain, mais DJX, il connaît Bernard Minet <laughs> C'est génial Alors, je t'avais peut-être posé la question, mais ton Twitch par terre, t'as des news Ah bah ben ça y est, Arti, hein, je suis partenaire Twitch depuis longtemps Alors maintenant, à savoir, qu'est-ce que ça change Rien <rire> Rien <rire> Il y a le, le petit badge bleu à côté de mon blaze Bon, je peux vous mettre des... Là, je vous ai mis des badges, là euh, Voilà, on, on a pu customiser un peu le truc mais sinon après, niveau visibilité, et puis par exemple, merde, la Twitch Money, si on peut appeler ça comme ça, c'est pareil, c'est identique. On a bien bougé après la Castle. T'as vu, on n'a pas arrêté. T'as vu mon Jérôme J'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté, c'est un truc de fou. Alors, attends Jack, c'est dommage, j'avais pas pu venir, dommage que tu ne pas. Oh ben un jour peut-être Jack. Voilà. Non, 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 euh, non, non, euh, des cartes, je gagne pas plus. Voilà, c'est comme avant. Enfin, niveau. Euh, tu vois, si on compare avec décembre, où vous avez tout blasté là au niveau abonnement, on est monté jusqu'à 300 abonnés. Euh, donc là, j'étais pas encore partenaire. Et si je compare avec la. <coughs> du coup, la monétisation de euh, février-mars, par exemple, c'est pareil. Enfin, c'est. Voilà, enfin, au, au rendement euh, nombre d'abonnés, c'est pareil. quoi, mmh. Salut Musica Comment tu vas Lowin bah oui, bah t'étais là Lowin c'est vrai, oui, on s'est vu aussi. On a passé un bon moment ensemble, ouais. Hein. Descartes, moi j'attends que tu passes en Ile-de-France. Ouais. Ouais, bah ça se fera bien un jour. Surtout que on a euh, l'aéroport international à Spax, il va, il va à Paris direct. Hein. Il y a deux heures et demie de vol. Voilà, je pose mon cul dans l'avion, euh, deux heures et demie après, je suis à Paris. Ouais. Voilà. Bah Descartes, hein, moi je t'ai dit, j'ai ma frangine qui est dans le 78, hein, donc... Euh... Mais bon les mecs, enfin je... je, Enfin j'ai rien mais je déteste tellement Paris quoi que... Pff, ça, je préférais me castrer que venir là-bas hein, franchement. Mais bon ça se fera bien un jour mon Descartes, ça fera plaisir. Ouais. Fixo j'avoue que les 300 abonnés, euh, j'y suis un peu pour quelque chose. Ah ben ça oui Ah ben ça mon Fixo Je sais plus combien t'as offert d'abonnements mais au moins 80 je crois. Un truc comme ça. Alors, ça y est, on est 100 en live, ouais. Ah oui mais on a... Euh, le, le record, mon Yann, le record de fréquentation sur euh, Twitch, c'était euh, pendant le stream euh, Tomb Raider, si je me souviens bien, la le, 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 le Tomb Raider Trilogy, hein, le remaster hein, qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est monté vers 180. Hein, c'est énorme. Comme, euh, comme, comme sur YouTube à peu près. Il hein. n'y a plus aucun bac dans le 118. C'est triste hein, quand même. C'est triste. Hein. T'aimes le sud, va bah, Ouais, mais pareil, le sud, hein, j'y vais jamais. Là, tu vois, le, le sud, euh, bah, là, Avignon, tout ça, c'est la première fois de ma vie que j'y allais. Hein. Salut Kamel, quand tu as Un jour je passerai à Sfax te faire un coucou. Ah bah t'es le bienvenu, hein, ça. Aucun problème, hein, avec plaisir. Bah là, tout à l'heure, j'ai un. Le, ce matin, j'ai un Tunisien de Monastir. Il m'a fait un message, il m'a dit Ouais, euh, j'habite à Monastir, mais euh, je travaille à Sfax. Est-ce que ça serait possible qu'on se voit on boit un coup Bah j'ai dit Bah avec plaisir. Voilà quoi. Donc là, c'est le ramadan, il m'a dit Ouais, on fait ça le soir. Bah j'ai dit Ouais, mais moi le soir, je suis avec ma femme. Donc euh, on attend laïd, euh, on attend, on attend la, la fin du ramadan, et puis après on. Voilà, on se boit un coup en journée avec plaisir. Pas de soucis, quoi. Hein <coughs> Yako, ouais. perso, je préfère attendre pour pouvoir venir vous embêter à ce enfin, fac. Ben, ben, vous êtes les bienvenus, les gars. Hein. Vous êtes les bienvenus, hein. Mm. ouais, bien sûr, j'ai eu le plaisir de rencontrer avec mon Paul ouais. un super moment avec un super mec. Ouais, non, mais c'était cool, hein. Franchement, c'est super cool. Mm. Alors, Descartes. Au fait, euh, j'ai adoré le mec sur YouTube qui a dit casca facile, j'ouvre ma chaîne. Ouais. <laughs> non, mais t'as vu ce que je lui ai répondu, Descartes bah si c'est si facile, fais-le. <laughs> c'est un mec en commentaire sur la vidéo euh, Dragon Dogma 2. Là. Il dit mais bah, attends, 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 attends. Euh, T'as une chaîne à même pas 14 000 abonnés, mais d'où t'obtiens un code de Capcom, quoi D'où Est-ce que. Ah, donc c'est si facile que ça, quoi Et du coup, moi je lui ai répondu, bah je dis, si c'est si facile, vas-y, ouvre ta chaîne. Ouvre <laughs> ta chaîne, chope 10 000 abonnés et demande un code à Capcom, hein, fais-toi plaise. <laughs> Fixo, je peux faire une annonce Bah bien sûr Bien sûr mon fixo, bien sûr. Yann euh, Avignon, t'as dû croiser euh, Ryoshi avec oui bien sûr, oui oui, oui ils sont venus, ouais. ouais ils sont venus. bah pareil Ryoji, ça faisait dix ans qu'on se connaît donc ça m'a fait super plaisir de jouer à, enfin de, de, de voir Ryoji. On a joué, hein, on a joué ensemble, on a fait quelques parties à à Street Turbo puis Alex, bien sûr Alex Express, oui on s'est vu. On a... Bon, on, a... on a bouffé tous ensemble euh, le midi, hein. c'était le samedi je crois de mémoire. Non 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 bah, non non mais bien sûr ça fait plaisir. Bon, mon Ryu aussi, euh, bien évidemment. C'est euh, pareil depuis le temps qu'on se connaissait. Alors, Yako, on va affréter un avion, bloquer euh, une étage d'un hôtel, on va tous débarquer en même temps. Il bah, y a un hôtel, hein, pas loin de chez moi, là, à 150 mètres. Là. Voilà. Mais bon, si vous venez à un ou deux, il hein, y a de la place pour pioter à la maison. Hein, je veux dire, Jér Jérôme, il peut témoigner. Hein. Voilà, si, si t'es pas allergique aux chats, t'es le bienvenu. <laughs> Salut Waroni, comment que tu vas Avoir 14K dans le rétro vu la niche, euh, euh, que c'est faux en vouloir. Ah mais non, mais c'est pas évident. Hein. Ouais, c'est pas évident. Hein. Mais bon, c'est bien, ça monte, euh, ça monte de manière régulière et progressive. Donc euh, moi, fin, moi l'évolution de la chaîne, je me, je me plains absolument pas. Hein. C'est très bien comme ça. Si on continue à ce rythme-là, c'est-à-dire sur la chaîne principale, là, on est euh, grosso modo entre 200 et 250, euh, 250 abonnés par mois. Donc, les 15K, si tout va bien, on fêtera peut-être les 15K à la rentrée. Voilà, dans ces eaux-là. Et puis, euh, on devrait finir l'année euh, ouais, aux alentours des 16K, quoi. Pas très loin, je pense. <coughs> voilà, puis du coup, les 20K, si on suit ce rythme, les 20K, ils seront dans deux ans après, quoi. Voilà. C'est-à-dire au moment où je parle, dans trois ans à peu près, quoi. Alors, JB, nous, on viendra avec Babette, on aime les chats. Ah ben, bah, bon, JB, mais c'est quand tu veux. Hein. Quand tu veux, il n'y a aucun problème... Tu vois, euh, là, Nina, parce que Nina, alors, bah, vu qu'elle fait le ramadan, euh, elle se lève la nuit à 3h30 pour aller bouffer. Alors moi j'ai dit, bah ben, non. Hein, je dis moi tu dors pas avec moi parce que moi je veux pas que tu me réveilles à 3h30. Donc du coup elle dort là. Et bah, ah, elle m'a dit chérie, on dort trop bien dans la salle de jeu, bah oui. Avec les rideaux fermés, et puis les jeux qui, euh, qui font un peu isolation... Euh, isolation sonore. Donc, euh, donc voilà, puis comme ça, quand elle a bouffé, après, euh, elle me rejoint. Mm. Alors. <coughs> Et moi, je veux dormir avec les chats, ouais. Ah bah, bah, tu vas dormir dans mon salon, hein. Ah bah, tu vas être bien, mon Bruno, hein. Tu viens l'hiver, là, ils vont venir à 6 ou 7 sur toi. Tu vas voir. Salut, gueule de rac. <laughs> Comment que tu vas Alors, pas compris les fans de Dragon Dogma 2 qui n'acceptent pas les critiques. Ouais, non, mais, de toute façon, Azuka, tu dans, 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 dans la manière dont est rédigé le commentaire, tu vois très bien que c'est des mecs euh, euh, fin de vingtaine, courant de la trentaine. C'est pas des mecs euh, de, de notre génération. Parce que des mecs de notre génération, il y, y en a qui ont mis des commentaires, voilà, dit on n'est pas d'accord avec toi, et puis euh, nous, on a bien aimé le jeu, et voilà, il fait euh, une explication, et il n'y a aucun problème. Voilà. Mais les mecs qui arrivent, ouais, t'es un noob, tu connais rien, t'as jamais fait ta machin et tout, non, mais, mais, mais ferme juste ta gueule, parce que pendant que t'étais en train de bouillir dans les couilles de ton père, euh, moi, j'étais en train de jouer déjà à Fax Nadu sur NES, quoi. Et Croisière sur un croisière pour un cadavre sur euh, sur Atari ST, quoi. Donc, euh, ferme un peu ta gueule, quoi, tu vois. Hein <laughs> Mais franchement Franchement quand tu vois des jeunes branleurs comme ça là, qui, qui se branlent là, bah sur des trucs pétés comme Dragon Dogma 2, moi je suis pas étonné que le JV il va mal. Je suis pas que le JV il va mal, parce que non seulement on est à la cantine et les mecs ils sont contents et, euh, et ils applaudissent des deux pieds, ils en demandent. Alors bah mais tu m'étonnes que euh, c'est le nivellement par le bas, quoi! C'est le nivellement par le bas, putain! Geeks fight pour arriver au 5K, alors attends! Je vais faire des titres euh, putaclic. Alors attends. Euh, façon chiese La PS6 sort bientôt. Ça sera Comme on m'a dit, avec la Game Boy. <laughs> T'aurais dû le faire au 1er avril, ça. Alors. Guy Brouche ouais. Ouais, ouais, j'ai. Bah, Alors, j'ai tenté de faire croisière pour un cadavre. Parce que c'est chaud, hein. Putain, c'est chaud. Parce qu'en fait, j'ai un. Guy Brouche donc, euh, au collège. Donc là, on était en 91. Ouais, 91. Donc j'ai un, 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 un pote au collège. Donc on était dans la même classe. On n'était pas potes parce que, bon, il, franchement, il était con. Hein. Et puis, j ai, j ai, je l'ai retrouvé il y, a, il, y a, il y a quelques mois, là. J'ai revu sa gueule sur Twitter, il a l'air toujours aussi con. <laughs> mais bon, bon, je dirais pas son nom, mais lui, c'était un geek. Lui, c'était un geek et euh, il avait aussi un Atari. Et il avait un frère qui était euh, plus âgé que nous. Et il avait un Falcon. As, tu te rends compte, Guy Brouche, il avait un Falcon, le mec. Et euh, c'est lui qui m'avait parlé de croisière pour un cadavre. Et il me l'avait prêté. Je ne sais plus combien il y avait de disquettes. Je ne me souviens plus. Deux ou trois disquettes. Parce qu'il avait un Atari ST aussi. Puis donc, bah, des fois, on se prêtait des jeux comme ça, voilà. <coughs> Nikuman, t'as raison, déjà, il faut pas se laisser bouffer par ces jeunes puceaux. Ouais. Non, mais je veux dire, le, le, qu'on soit pas d'accord, il n'y a aucun problème. Moi, je veux dire, il vient, ah oh, bah ouais, euh, t'as pas aimé le jeu, moi j'ai aimé et tout. Enfin, voilà, mais tu, mais tu fais un... -déjà, déjà, tu commences par être respectueux, quoi. Tu viens pas dire que je suis un noob ou machin. Ou, euh, euh, je veux dire, euh, moi, j'ai joué à RPG, t'étais même pas, même pas né, donc euh, <laughs> voilà, quoi. DG, tu dois absolument faire découvrir Sir Fred à tes abonnés. Ouais, va falloir qu'on le strip celui-là. va falloir qu'on le strip celui-là, le Sir Fred. Falcon 64 bits, ouais. ouais. Le mec, il avait un Falcon. Enfin, c'est son frère. Son frère. Descartes, le problème, c'est surtout le niveau de l'argumentaire. Mais il y en a pas. Il y en a pas. Tu l'as vu, mon Descartes allez, allez voir les coms des rageux sur Dragon Dogma 2. Il y a pas. Il n'y a pas d'argumentaire. Et les, les, les coms qui sont argumentés et justement bien écrits. Bah tu vois tu vois, tu, tu vois que le mec il est pas né de la dernière pluie. C'est un mec de notre génération. Voilà. Clément, j'ai un pote des Falcon 30, il en a trois. Oh putain Et cet ordi coûte 2500 balles aujourd'hui. Arrête Oh la vache <laughs> Le Falcon a fait une carrière encore plus courte que la, la Jaguar. Ouais, ouais. Les, les pas de Jaguar étaient compatibles, je crois. Ah ouais Bah de toute façon, c'est pas compliqué, Guy Brouche, il, euh, il avait le Falcon avec Ichar de mémoire. C'était le jeu de lancement, hein. C'était le jeu de lancement, Ishar. Hein. Si je me souviens bien. Déjà, à l'époque, le Falcon. Ah, moi, je l'ai jamais vu. Hein. Moi, les gars, perso, le Falcon, jamais vu. Hein. All Geek Player, bravo les 2K, les 4K. Ouais, merci, All Geek Player. Ouais, 4K, 4 il y a le temps. Hein. Y a... Enfin, sur Twitch, il y a le temps. Voilà. Les 4K, par contre, sur la chaîne secondaire, oui, euh, parce que là, on est 3674, un truc comme ça, là. Mon Kong, ouais, je t'avais pas vu, désolé, Kong. Mais GG pour les 2K. Merci, con. Nouvelle génération, il n'y a que les graphistes qui comptent, c'est ça. Tu tu leur fais un. Un, 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 un bel étron là une belle grosse merde bien puante là puis tu l'enrobes dans un papier doré ils vont être contents ah ils vont être contents puis ils vont ils vont applaudir des deux pieds et ils vont en redemander puis après ben, nous les vétérans derrière ça gueule ça gueule parce que mais c'est de la merde mais c'est de la merde <laughs> voilà Olive des Gix, on est des vieux cons qui ne rien au génie moderne <laughs> voilà ridic 101 autant que bolosque dalmatien c'est beau c'est beau les gars c'est beau une merde avec un appage chocolat autour mais voilà quoi non mais je dis pas que Dragon Dogmado c'est de la merde mais la, la proposition telle qu'elle est déjà rien que le système de sauvegarde je veux dire c'est pas possible il y a, y a Fredo encore il m'a fait un message euh, ce matin ou hier je sais plus il y a un mec euh, un mec sur jeuxvideo.com je crois les mecs ils ont même fait hein, une émission débat sur jeuxvideo.com en disant eh, euh, les gars le système de sauvegarde de Dragon Dogmado... Il y a peut-être effectivement bel et bien un problème, mais c'est alors déjà, enfin moi j'avais les, comme je l'ai dit dans ma vidéo, j'avais des, des, des bugs de sauvegarde automatique. Bon ça c'est des bugs, voilà, bon, ça ça peut être corrigé avec des patchs Mais le truc du, de l'auberge, plus après toutes les sauvegardes automatiques qui écrasent même tes sauvegardes manuelles, ça c'est ça c'est du game design, c'est voulu par le développeur, c'est le jeu qui est comme ça, donc ils vont pas le patcher. Voilà c'est comme ça quoi. Donc enfin euh, voilà c'est voilà moi personnellement j'appelle ça une erreur de game design. Alors, je veux bien que c'est pour donner une espèce de tension et tout machin et tout. mais enfin, pas déconner quoi. Je veux dire, enfin, tu fais un système de say normal. On n'est plus en 92, la merde quoi. Putain. Non, mais à ce moment-là, mais faites-nous des mots de passe quoi. Putain, mais mettez-nous des mots de passe dans Dragon Dogma 2. Des mots de passe qui font toute une page. Et puis, vas-y, tu tu te pètes bien le cul à recopier tout ça. Même une, tu fais une photo. Et puis après, tu passes 17 minutes à rentrer ton mot de passe. Tu vois Si vous vouliez faire chier les gens, mais c'est ça qu'il fallait faire, putain. Un système de mots de passe de merde, encore pire que celui de Dragon Slayer sur Super NES. Où faut aller dans l'eau, faut pousser les boules dans les trous et tout, quoi. Des génies, les mecs. Le mec qui a fait ça à l'époque, quoi. Mais c'est. T'as, il faudrait lui faire un, un collier avec une guirlande de Noël et ses burnes-là qui pondent, là. Putain. La plupart des générations sont pas filles à l'époque, quoi. Ils pondent des jeux. Ouais. Ah bah oui Ah bah oui, bah, à l'époque, c'était pas pareil. Hein. Hein. Ah Bruno. Hmm, la sauvegarde, c'est peut-être pas pire que le, les rouleaux. Ah bah non! Non, mais les rouleaux, t'avais pas de problème. Bon, après, t'avais la gestion des rouleaux. Ok? Mais je veux dire, t'avais pas de problème de sauvegarde. Tu fais une heure ou deux de jeu et, et tu perds tout. Voilà. Alors, Nijempo, moi je pourrais pas demander un con à Capcom, j'ai 76 abonnés. Bon, ça se tente, hein? Su <laughs> ça se tente, hein? Alors. Mais j'en ai un peu rien à foutre, je joue pour le plaisir et euh, je recorde en même temps. Ça plaît, ça plaît pas, euh, ça me passe au-dessus de toi, hein. Voilà. Toi, tu fais des recherches, ouais, tu exposes bien, ton sortie, tu apportes la critique, ouais. Voilà ce qui est plaisant, tes vidéos. Moi, je pourrais pas faire ça comme toi, c'est pour ça que t'as pu qui suis. Mais c'est que ni j'aime pas, enfin, ce que tu dis là, c'est euh, une bonne remarque parce que euh, quand on joue à un jeu, que ce soit moderne ou vieux, hein, euh, on aime le jeu ou on n'aime pas le jeu, euh, des fois, essayer de, 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 de mettre le doigt. Euh, sur le pourquoi du comment on aime ce jeu ou on ne l'aime pas, c'est pas évident. Des fois, c'est pas évident de, 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 de mettre des mots sur un ressenti, les gars. C'est pas évident, c'est vrai. C'est euh, bon, alors après, euh, voilà, avec bah, depuis euh, voilà, plus de dix ans qu'on est sur YouTube, voilà, j'ai euh, pu affûter mon esprit euh, critique et analyse, euh, analyse de jeu au fur et à mesure des années. Je pense que là, ça se voit maintenant. <laughs> Même le gameplay est vieillot sur Dragon Doma 2. Mais oui, mais c'est ce, ce que je disais, Azuka, c'est périmé. Le jeu il est périmé. Moi je suis sûr, mais je suis sûr et certain que 80% des petits péteux qui disent euh, Ouais, euh, t'es un noob, t'y connais rien, machin et tout, bah, je suis sûr qu'ils ont même pas joué au Ils ont même pas joué au hein. hein. Voilà quoi. mon Sylvain, n'avait pas trop vu la différence en passant par la PS5, effectivement, surtout sur les jeux upgradés, ouais. À part, on euh, va enfin, du, du 60 FPS, ouais. Non, mais cette génération, euh, voilà, cette génération euh, PS5 Xbox Series, c'est <coughs> une génération de confort, les mecs. Hein. C'est-à-dire, euh, bah, les SSD, bon, ça, oui, bien sûr, hein, ça, on, on, on atténue grandement les, les temps de chargement. Donc, bien sûr, c'est cool. Le Quick Resume, par exemple, sur Xbox, c'est cool. Euh, la 4K, voilà, pour ceux qui ont été les 4K, machin et tout. Mais je veux dire, il ne faut, il faut pas attendre aucune évolution de de gameplay ou de game design ou machin. Après, moi, je ne demande pas qu'un jeu réinvente la roue à chaque fois. C'est pas le problème. Regardez Cyberpunk, c'est ce que je disais. Cyberpunk, quand, quand, quand tu l'analyses, voilà, tu as des phases en bagnole, tu as des, des, des gunfights, tu as des phases d'infiltration, tacite si, à ça, tu as des phases de dialogue. Je veux dire, sur, sur le papier, tout ça mis bout à bout, bah, le jeu, il n'invente rien. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est d'avoir un, un bon scénario, un bon univers, avec une bonne immersion. Et ça, de ce côté-là, mais c'est réussi, euh, mais de ouf. Voilà, mais après on s'en fout. Je veux dire, euh, euh, ok, on fait des gunfights, des phases d'infiltration qu'on on a déjà fait 10 fois, 20 fois, 50 fois. Mais quand c'est bien fait, quand c'est bien avec un bon scénario, que c'est bien accroché, que t'as du suspense et tout, bah c'est tout ce qu'on demande, putain. Voilà. <coughs> mais les films et les séries aujourd'hui, c'est le même problème. c'est les, les, les scénars de films, ils sont torchés avec le cul, quoi. Voilà. Cyberpunk, mieux que Witcher 3. Je pourrais pas te dire, Warty, parce que Witcher 3, j'y ai joué peut-être 3-4 heures et c'est pas pour moi. Pourtant, euh, moi j'adore l'Heroic Fantasy. J'ai joué aux 3 Witcher. Hein. J'ai fait les 3 Witcher, les mecs. Hein. Les, les, les trois, les trois je peux pas. Hein. J'ai du mal. Du mal avec la proposition. Salut CyberDad, quand tu as Je passe en coup de vent. Fixation pour la chaîne. Merci. CyberDad, ça fait plaisir. Descartes, je viens de leur lancer Cyberpunk, ouais. C'est plus du tout le même jeu. Les arbres de compétences n'ont plus rien à voir. Ah, oui d'accord. Ok. Bon, bah, c'est cool. Alors. Ouais, mais sur Cyberpunk, l'équipe s'est donnée à fond. C'est peaufiné au petit oeufs. Ouais, mais voilà. Mais c'est bien, c'est cool parce que le gens valait la peine aussi. C'est juste une génération sacrifiée juste pour faire de la thune. Mais c'est ça, Goldorak. Hein, euh, complètement. Hein. Mm. Jacques, laisse tomber, ouais, c'est des casual gamers euh, de merde qui jouent sur télé leur téléphone. Bah, dans ces cas-là, mais qu'ils iraient sur leur téléphone, putain, puis qu'ils viennent pas nous péter les couilles, quoi. Osiris, ouais, Astalon, Infernax, déjà vu, et pourtant c'est trop... Mais voilà, par exemple, oui, mais bien sûr, voilà. Astalon, Infernax, ils n'inventent rien, bien sûr, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement cool qu'on adore, on adore y jouer à ces jeux-là. Alors, Iceman, tu serais euh, bon, mon DG, pour donner des conseils sur un développement de jeu Ouais, ouais bah, ça m'arrive. Hein. Tu vois, comme les, bah, les St Steph, il m'avait demandé conseils sur Laser Pythium. Je leur avais fait un retour et puis il y, y a aucun problème. Voilà, donc, enfin, moi, si on me demande, voilà, on vient me voir, on dit, tiens, on est en train de développer tel ou tel jeu. Euh, euh, voilà, on est à, je sais pas moi, 60% du développement. On a, on a une, une pré-démo. On aimerait bien te la donner pour avoir euh, euh, ton avis. <coughs> voilà bah, je, je le fais comme par exemple à, à la Castle Geek tiens hé hey, mon Ben t'es encore là mon Ben bah, bon, mon Ben qui est en train de faire un jeu voilà un jeu avec un petit bonhomme qui ressemble à, à la mort voilà un petit jeu de plateforme action et tout et sur le stand de Pixel Art il y avait euh, je crois c'est Gladmore enfin ouais Gladmore un truc comme ça là donc pareil un, un jeu un petit peu à la Ghost and Goblins <coughs> en développement sur Neo Geo <coughs> donc il était on pouvait y jouer hein, sur le PC il y avait une petite manette et tout alors on voyait bien que le jeu était en développement hein, je veux dire c'était vraiment une pré pré démo hein mais euh, voilà j'ai bon, joué quoi 5-10 minutes et puis euh, bah, les gars ils m'ont dit qu'est-ce t'en penses bah, j'ai dit les gars je vais être honnête hein, j'en pense qu'il y a du boulot hein. j'en pense qu'il y a du boulot parce que je dis votre jeu là il apporte rien j'ai dit franchement il apporte rien je veux dire si c'est pour faire un clone de Ghost and Goblin sur Neo Geo mais mais il y a enfin y a, y a, y a, voilà y a rien de spécial euh, pff, voilà quoi alors que mon Ben lui il a fait sa, sa petite démo de son jeu sur son PC que j'ai joué aussi je lui ai dit à ah, mon Ben mais, mais Ben ton, ton jeu là, il est mieux que le Mort sur Néo C'est un truc de ouf. Alors, mon Bruno, ouais, mais pourquoi ces mecs là viennent euh, voir tes streams Je me le demande encore. Non, mais pour Dragon Dogma 2, je pense qu'ils sont tombés dessus avec le Tu sais, l'algorithme YouTube en fait. Hein. <coughs> voilà, tout simplement. Et là, 60%, il vous dit laissez tomber, vous allez nulle part avec votre jeu. <laughs> non, mais il y a toujours matière, hein, euh, euh, mon Sylvain. Mais après, il y a des trucs, c'est choix à corriger, quoi. Bien sûr. Ouais, salut la mort Donc tu as. Ah c'est pas, c'est, non c'est Gladmore, c'est pas la... <laughs> Yako ouais, alors mon Paul, en gameplay original, tu as euh, Cher Stray, oui mais je l'ai fait euh, Stray hein, j'ai fait la review hein, ouais j'ai adoré Stray, il est excellent hein, avec le char, là, ouais c'était cool hein. Des cartes DD2 ça fait des vues, ouais mais tu sais en général chez moi ce genre de jeu ça fait pas forcément de vues, tu vois Starfield, pourtant j'avais sorti la, 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 la vidéo de Starfield Day One hein, et elle a fait 6500 vues, c'est bien c'est bien tu vois, Mais dragon dogma vue là, elle est à... enfin, dragon dogma 2, elle est à plus de 9000 vues là. Attends, je vais, je vais regarder, on va, on va regarder à combien elle est là. Hein <coughs> euh, mais là ouais, la dernière fois que j'ai vu là, je crois il y a 2 trois jours, elle était à 9000 vues, je crois. C'est n'importe quoi. Alors, attends, je regarde là. Toc, euh, 9,6, elle, elle va atteindre 10k là. Elle va atteindre 10k quoi. Alors de plus en plus connu, ouais, peut-être, hein. ouais, il y a peut-être ça qui joue, je sais pas, j'en sais rien, j'en sais rien. Alors, il n'y a pas un seul jeune qui a été d'accord avec toi d'ailleurs, bah, je sais pas, franchement, euh, ouais, nana, je sais pas, parce que les coms, euh, les coms, les, les coms euh, les, les com où il y a des mecs qui étaient d'accord avec moi, il y en a, bien sûr, mais je, je pense que tu sens que c'est des mecs de notre génération, <coughs> J'étais un fan de Diablo 1 et 2, ouais, beaucoup moins du 3, ouais. bah, le 3, c'est le seul que j'ai fait. Bon, on a essayé le l'autre jour hein, sur ps hein. c'est vrai que le c'est. C'est ouais, c'est du vieux jeu PC hein. Mais c'est pas négatif hein, ce que je dis, c'est pas péjoratif. Hein. J'ai acheté le 4 pour jouer avec ma femme euh, qui avait aimé le 3, j'arrive pas à le finir, il est trop plat. Ah, je suis pas étonné. Hein. Salut Seb, fé félicitations pour tes 2000 follow. Ouais, merci Seb, ça fait plaisir. Tu peux dire merci à tes hitters. Ouais, mais je tu sais, je pense que ça a joué des hein. Les mecs euh, voilà, c'est l'algorithme YouTube qui a fait son, son boulot tout seul. Hein. Hein <coughs> tu as défoncé mon Starfish, je te parle plus. <laughs> non, bon, tu sais bien qu'on a le droit de pas être d'accord. Moi, moi franchement mais t'aimes Starfield, tu t'amuses dessus. Mais mais tu sais je te le dis et je te le répète mon Descartes, moi mais j'aimerais tellement être à ta place. Parce que faut bien, faut bien garder en tête que quand on défonce un jeu, alors il y en a qui font ça pour le plaisir, il y en a qui font ça pour leur troll, pour le troll, il y en a il y en a chez qui c'est le fond de commerce. Moi non. Je veux dire euh, c'est pas c'est pas c'est pas un plaisir de faire une vidéo comme j'ai fait euh, euh, sur Starfield ou Dragon Dogma mais je me dis, merde, il faut être honnête, quoi, parce que, Alors après, tu sais que tu vas en prendre plein la gueule, et Ryu, il m'avait dit la même chose, Ryu Gaming, <coughs> quand il a sorti sa vidéo sur Starfield, il, il m'a dit, il m'a dit, mais putain, je, je vais en prendre plein la gueule, et en fait, c'est ce qui s'est passé pendant à peu près 2-3 semaines, agi J, J, plus 2-3 semaines au sorties de sa vidéo, il en prenait plein la gueule dans les commentaires, comme moi, ouais, t'es un noob, t'y connais rien, machin, machin, blabla, et après 2-3 semaines, ça y a des, ah ouais, non mais finalement, euh... mais finalement, t'as raison, Finalement t'avais raison Ouais ouais Bah maintenant finalement Maintenant on y a joué 20 heures On comprend On comprend ce que tu dis Voilà quoi Alors Goldorak Bah déjà faut aimer l'esprit libre D'un soit Sur les jeunes générations Ça passe pas Ou peu Si on touche à leur idole Ou à leur kiffe Mais c'est pareil y il en a un Il est venu Ah ouais mais non J'aime pas votre façon de dire Machin et tout C'est genre un peu Ça te touche J'ai répondu J'ai dit Si tu veux un avis Alice, Tu peux aller Sur Youtube C'est pas ce qui manque Sinon t'as la presse J'y vais Voilà si tu veux un avis euh, lisse, plat et euh, genre cravateux, voilà. Le, le petit banquier cravateux qui vient donner un avis, bah, c'est pas, pas chez moi qu'il faut que tu viennes, mon pote. Hein. <laughs> Gianni, Starfield, c'est une déception après un Skyrim mémorable. Ouais, bah ouais. Bah ouais, moi, je, moi, je, je demandais qu'elle aimait, hein, Starfield. Hein. Mais là, tu sais, ils, ils peuvent le patcher dans tous les sens. Hein. Ils peuvent le patcher dans tous les sens. Mais je dire, le, le jeu de base, il est, est pas bon, quoi. Le, le, le scénario principal, c'est pas à la hauteur de... De ce qu'on est en droit d'attendre d'un Bethesda, quoi. C'est un truc de ouf. Nijempo. Moi, je t'ai trouvé un peu sévère sur Dragon Dogma 2, ouais, mais les problèmes de save à sa sortie, c'est pas normal pour une marque aussi bien ancrée. Il n'y a pas de nouveauté quasiment comparée au premier. C'est plus un Dragon Ball 1.5. Bien sûr, ouais. Mais euh, j'ai pas terminé le premier. <laughs> je l'ai trouvé trop archaïque. Alors, je l'ai commencé euh, l'année passée, je l'ai laissé tomber. ben bah, du coup, mon Nijempo, il se peut que bah, tu laisses tomber le 2 aussi. Hein. Parce que, pff, voilà, c'est pareil. Pierre, hein, il y a des mecs, il y a des mecs, ouais mais t'y connais rien, euh, euh, il faut au moins jouer 30 heures pour voir apparaître le 2 à l'écran de titre Dragon Dogma 2, euh, genre il faut terminer le jeu pour voir le 2 apparaître dans le titre. Non mais sérieux là Mais sérieux là Putain mais c'est du jamais vu ça, mais c'est du jamais vu les mecs quoi. Ça mais de, moi de, 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 de toute ma carrière de joueur, j'ai jamais vu ça moi, mais j'ai jamais vu ça quoi. Les mecs ils crient au génie. Ouais, ouais, on t'y connaît rien, hein. il faut faire 30 à 40 heures de jeu, hein. il faut terminer le jeu pour voir le 2 apparaître à l'écran de titre. Et les mecs, ils applaudissent avec les deux pieds, quoi. Hallucinant, quoi. <laughs> Hallucinant, quoi. Alors, pour Starfield, à ton avis, est très bien, et ce jeu fait pas l'unanimité, ne le fera jamais. C'est dommage, hein. C est, c est, et et c'est dommage, des cartes parce que Starfield aurait dû faire l'unanimité. Imagine Descartes, imagine, imagine si Starfield il avait tapé du poing sur la table comme Skyrim à l'époque ou comme Oblivion même à l'époque sur 36. Ouais, et moi je vais te dire un truc mon Descartes, moi je te dis un truc hein de toi à moi là. Il y aurait pas des petits péteux là en train de faire des vidéos euh, toutes les semaines. Ouais mais Xbox va mourir, Xbox va devenir un éditeur tiers, Xbox X, Xbox A, machin, ils seraient tous en train de fermer leur gueule là. Tu vois, si Bethesda était revenu avec ses grosses baloches là. Tu vois, avec son savoir-faire, là. Et puis il nous pose Starfield, tu vois. T'as bien viril sur la table, tu vois, il nous pose les couilles, là. Avec uh, une qualité unanime, un peu à la, à la Elder Scroll. Mais là, mais tout le monde aurait fermé sa gueule. Et, et, et le problème, c'est que c'est ça qu'aurait dû être Starfield. Et non. C'est vrai qu'ils fermeraient tout ça. Mais voilà, c'est ça, mon Descartes, c'est ça? Starfield, Starfield, Starfield il, avait, il avait même pas le droit d'être seulement bon. Starfield il devait être excellent. Starfield ça aurait dû être du 18-19 sur 20, à peu près dans tous les médias. N'importe où que tu regardes, métacritique, jeuxvideo.com, GameCube, tout ce que tu veux, ça aurait dû être du 18-19 à peu près partout. Puis non, c'est pas le cas. C'est dommage, et c'est dommage, et genre je suis le premier dégoûté, franchement. Franchement. <coughs> Moi j'ai rien contre Starfield. Je, Starfield aurait dû être gothi, mais c'est ça, as, Mais c'est direct. Mais les gars, quand on a tous vu la présentation en, en, en juin. Là avec le, le long reveal là de je sais plus 40 minutes Mais les gars mais on s'est tous dit mais Starfield c'est le gothi, c'est obligé Mais c'est obligé quoi Bilan était même pas nommé je crois Voilà quoi C'est dommage c'est et c'est toi de carte c'est pas dommage pour nous ou... Tu vois là, la communauté Xbox communauté PlayStation communauté euh, Nintendo c'est même pas ça on s'en fout C'est dommage pour le jeu vidéo tout court Putain c'est dommage quoi Tu vois Donc euh, du coup on va attendre le prochain Eldar Scroll bah, C'est ça c'était Burger. mais mais... Pff. Et, je suis pas serein, hein. Moi, le, toi le Starfield aurait posé ses baloches, je dis mais là le prochain est Scroll, mais il va enculer tout le JV quoi. Là Là, euh, bon on n'a rien vu, hein, donc on va pas juger Astéro, hein, mais. Là, là, du coup, je je je, je, ouais, je peux être sceptique, hein, euh, J'ai des raisons d'être sceptique, Voilà. Cybernat, DJX, je t'écoute en bricolant, et ma madeleine de Proust. <laughs> ça fait plaisir. Indiana aussi, il peut pas se rater, ouais, Indiana, alors, moi, franchement, des cartes d'Indiana, j'ai confiance, j'ai confiance, parce que Machine Game, ils ont filé, quand même, des, euh, euh, une paire de Wolfenstein. Euh... ouais, franchement, enfin, niveau histoire, niveau narration, là, avec, euh, avec Fro Engel, Engel, dans le premier, là, l'espèce de blonde, là, putain, alors, et si, si, putain, si Machine Game, ils arrivent à nous refaire un personnage aussi iconique et bien écrit que Fro Engel dans Indiana Jones, voilà, et puis que le jeu est aussi immersif, voilà, avec un bon scénario et tout, mais moi je prends, hein. Mais moi je prends, après ils peuvent gueuler euh, FPS, mais j'en ai rien à foutre, moi. Moi, on veut un bon jeu, putain. On veut jouer avec Indiana Jones, avec des bons personnages, avec une bonne histoire. C'est ça qu'on veut, putain. Voilà, on va, on va pas jouer à un jeu qui va révolutionner le gaming. Mais on veut, on veut jouer avec un jeu, déjà, qui quand il va sortir Day One, il soit propre. Voilà, le jeu, il soit beau, il donne envie de jouer, il soit jouable, machin et tout. Un bon scénar, des bons personnages. Voilà, une bonne histoire, c'est tout ce qu'on demande, putain Putain, mais c'est. Putain, mais c'est. voyez, sur le papier, on ne demande pas grand chose, putain ça, ça tient même sur un timbre poste. Maintenant, faut le faire. Mais franchement, machine game. Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. <coughs> je pense que Bethesda va ressortir ses vieux jeux pour en faire des remakes comme la plupart des éditeurs. Bah déjà, euh... Déjà, Nijempo, moi, ouais. Un remaster d'Exen jouable en ligne à 4, moi je dis oui. Moi je dis oui. Si c'est un remake, je vais être fou. Voilà, un remake d'ExeN avec des graphismes modernes et tout là. ouf, Mais je pense pas. sera plutôt remaster. Hein. C'est le truc facile, quoi. Tu vois. Bon, à voir, hein, parce que ExeN. Mais Philou, il avait le t-shirt ExeN, hein, donc euh... on va voir. Hein. Alors, Taipotop, Bethesda, un mot au boulot. Ouais. Bah ben ouais, au boulot. Puis, euh... mais en fait, en fait, mon Taipotop, en fait, moi, ce que j'espère, c'est que Bethesda, s'est pas caché derrière son petit doigt, et j'espère qu'ils ont bien euh, entendu ce que le, le, le public a dit sur Starfield. Voilà, on dit euh, qu'ils qui comprennent, qui comprennent leurs erreurs de Starfield. En fait, il, il faudrait entre guillemets hein, que Starfield, ben, ça serve de d'avertissement, de de, de de sonnette d'alarme pour Elder Scrolls 6. Voilà, si c'est le prix à payer pour Starfield, c'est dommage. C'est Starfield qui ramasse, mais mais voilà. Il y a un remaster de Poed qui arrive chez Naïda Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Non mais Poed. Non mais Poed. Non mais ça, ils ont été le chercher. Hein. Ça, ils ont été le chercher. Alors les gars, pour ceux qui connaissent pas Poed. A la base, c'est un, euh, un FPS 3DO. On bute des espèces d'aliens à coups de poil. Non, mais c'est n'importe quoi. Hein. Et le jeu a été euh, porté sur PS1. Introuvable. Hein. Les gars, hein, moi, 3DO jamais vu, PS1 jamais vu. Hein. PS1 en pâle. En hein. pâle. Hein. Pff, jamais vu. Exen, ça sera un remaster par Night Dive, je pense. Bah, du coup, il faudrait que. Euh, Gianni, il faudrait que. Euh, bah, X, parce que c'est Xbox maintenant qui euh, qu on, qu on la licence Xen. Donc, il faudrait qu'il la sous-traite à Night Dive. <coughs> voilà Mais bon, Dive ils ont fait leur preuve, hein, donc, euh... donc voilà quoi. <coughs> moi, tu files Xen à Dive moi je dors bien, il hein, n'y je... a pas de problème. Hein. Je voudrais bien un remaster d'Hérétique. Ah, ça, ça serait cool. Ça, Geeks File, Hérétique, oui. Oui, parce qu'Hérétique, euh... autant Xen, il est sorti sur console. Voilà, PS1, Saturn, Nido 64, mais Hérétique, lui, il est resté bloqué dans l'univers PC. Ouais. Pour être ça FPS sur PS1, ouais. Mmh. Avec des culs euh, sur pas. Oui, c'est ça, euh, oui, ça. <coughs> ça, Nana, Oui c'est ça. C'est ça, Nana. Moi Adrien, comment tu vas Moi Adrien Bravo pour les 2000 followers, et eh oui, ça fait plaisir. <coughs> Salut Baxter GG 2000 followers, merci les mecs, ça fait plaisir. Il y a un remaster d'Oblivion fait sur le moteur Skyrim. Ouais mais c'est ça, toujours pareil, j'aime pas, c'est les fans qui font ça. Et ils font du bon boulot, hein. Clément, moi c'est Gearbox qui m'inquiète, qui a à peine racheté par Tech2, il licencie à tour de bras en plein développement de Borderlands 4. Ah, bah on verra. Euh, moi, j'ai pas fait euh, Borderland 3. Bon, s'il débarque un jour dans le Game Pass, là, je, je le testerai. Il paraît que c'est pas ouf. Enfin, le gameplay reste aussi toujours aussi jouissif, mais le, le scénar avec les jumeaux et tout, euh, les dialogues un peu pipi caca, il paraît que c'est pas ouf, quoi. <coughs> dix ou le cuistot de l'espace Oui, c'est ça, et ouais, Le FPS où on frappe des aliens en forme de cul à coup de poil à frire une personne. C'est ça, ouais. Ah, tu l'avais eu sur PlayStation ah oh, putain, moi, eh, moi je l'ai jamais vu, Geeks file. Je l'ai jamais vu parce que moi. Les gars, moi je savais que ça existait, poète. Si par exemple, je sais pas, dans une brocante ou un cash, je passais et je, 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 je l'avais je, je vu, je l'aurais acheté. Je l'aurais acheté, j'ai jamais vu. Jamais vu ce compte-jeu, putain. Là, et là, je suis en train de jouer à Blam Machine Head. Il est excellent. Putain, les mecs, là, je suis en train de me, me torcher le Blam Machine Head. Là, vous voyez le, le câble, c'est le câble péritel de la Saturne. Voilà, je l'ai pas fait passer à travers le meuble parce que comme ça, je peux débrancher la Saturne facilement, puis la ramener devant l'OSSC, là. Mais là, là, je suis en train de me faire le Blam Machine Head, là. Bah que qui est arrivé avec le colis de Seb ah les gars. ah je passe un bon moment là ah je passe un bon moment il me fait plaisir elle blâme machinette j'adore là ah j'adore je passais juste féliciter bonne soirée à tous ouais ça marche moi Adrien merci d'être passé des bisous à toi ça fait plaisir Olive Road to the million million oh, roi alors là Olive ça m'étonnerait hein. ça m'étonnerait mon Olive hein. <coughs> ça m'étonnerait <coughs> mais bon voilà. comme dit l'autre on sait jamais hein. alors alors, euh, ah, il est affreusement mauvais, tu perds rien. Alors, s'il passe par chez moi, je te l'offre. Ah, ben mon Geeksfile, Ah, ben ça me ferait super plaisir. Même, même si c'est de la merde, ça me fera super plaisir. Pour l'avoir dans la collecte, ouais. Soit, soit en 3DO, soit en PS1. Hein. Mais enfin, à mon avis, si tu le trouves, ça sera plutôt en PS1. Hein. Attends, on va oh, je vais, attends, on peut voir. Je vais, je vais aller voir sur eBay, là, tiens. Ne serait-ce que même la, la version 3DO. Je sais pas si elle se trouve, la version 3DO. Salut, gros clodo, comment tu vas Kiwi Dimi, con, tu vas un pas de PS3 qui ne charge plus sur la console mais qui charge quand on le branche sur le modem Internet. Tu connais le bug Pff, Ah non, pas du tout. Oh tu sais, moi je suis pas très. Je suis pas très calé en PS3 là. Alors, WaniKuman, cuman bisous à toi. Merci d'être passé, ouais. pareil, bisous hein. Alors, Poued, 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 Poued. Alors attends, Poued. Poued PS1. Ouais, vas-y là. Hein Est-ce qu'il y en a Ouais, il y en a là, tiens. Euh, donc il a à 45 balles. C'est un vendeur pro, 44,99€, donc 45 balles. Livraison, livraison gratuite, mais il n'y a pas de jaquette avant, donc ça fait un peu chier. Il y en a un complet en Allemagne, là, 70 balles, plus 8 euros de port. Voilà, bon, bah lui il est complet apparemment. <coughs> en Angleterre, PS1, livré avec manuel, 35 balles, plus 12 de port. Ouais, voilà. Belgique, complet, 50 balles, plus 16 de port. Tiens, là il y a un loose. Ah c'est quoi Ah, c'est un US ça. 16 balles. Bon, il y en a, hein, sur eBay, il y en a. Enfin, euh, du moins en PS1, ça se trouve. Voilà, ça, ça a un certain prix, mais ça se trouve. Fais voir en 3DO. On va regarder vite fait là. Poète <coughs> 60 balles vintage version 3DO. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ah, bah là, tiens, il y en a par exemple, Guy Bouche, tu vois. Euh, 90 balles en Allemagne. 100 balles ici, là. 105 balles. Euh, c'est la version euh, euh, boîte CD normale. Donc, c'est la version pâle. Enfin, pâle. Voilà, parce que les, les, les longues box. Voilà, là, il est en longue box. Royaume-Uni, 105 balles. Tiens, ici, euh, pareil, Royaume-Uni, 46 balles, 3DO complet. Ouais, donc, ouais, il y a un peu tous les prix, hein, mais... Euh, ouais, ça se trouve. Hein. 46 balles, tiens, 46 balles, ici. Ça, ça me ferait trop marrer de l'avoir, en 3DO. Bah, à choisir, à choisir 3DO ou PS1, je prendrais 3DO. Voilà, parce que c'est plus exotique, machin et tout. Mais, mais je cracherai pas sur une version PS1. Voir, avoir les deux, comme ça, on fait un versus. <laughs> Alors, tu fais un versus, ouais. Hein. Gianni, ouais. Non, mais tu pouvais pas jouer plusieurs heures sans être obligé de faire des allers-retours pour vider ton inventaire. Ouais, il y a ça. Enfin, il y a plein de défauts dans Starfield. Hein. Voilà. Alors, euh... Salut Kaboulogs, comment tu vas <coughs> Hack, ça va venir. Mais Microsoft a acquis euh, ABK et surtout euh, pour King, ouais surtout leader jeu mobile. Ouais. Le reste, bien, il y a des sens de fou. Ils intéressaient pas. Et ils sont convois catalogue of Hiking. Ouais. ouais, bah pour le marché mobile, bien sûr. Mm. de euh, l'ambiance et la était étaient propres en vrai, ouais. Mais moi, je me souviens, oui, j'avais vu. Enfin, euh, les images et les. Le jeu tourné, ça va, hein, franchement, ça allait, au hein. ouais, ouais, alors, <coughs> bah, les gars, ça y est, 1h20, 1h20 qu'on stream, bah, chez vous, en France, il est euh, 10, euh, 19h19, moi, au bled, il est 18h19, donc, les gars, bah, je vais vous laisser là, voilà, je vais aller voir euh, mes mères Nina, qui est en train de préparer la cuisine, du coup, euh, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée, et puis rendez-vous demain, alors, donc, du coup, euh, voilà, il y a le câble Youv, là, il est là, là, donc le que McDish m'a prêté. Donc le câble fonctionne. J'ai juste un problème. Euh, J'ai le son droite qui sort pas. Alors euh, peut-être c'est moi qui a fait un, une erreur, hein, euh, une erreur dans le branchement. Je vais réessayer là. Donc si jamais à tout hasard le câble you fonctionne, euh, demain on fera un stream PS2. Voilà. Sinon si ça marche pas, on fera autre chose. Voilà, on trouvera, on trouvera, à faire autre chose. Alors on va voir si on a un copain qui stream les mecs pour faire un petit raid. Je sais pas si jambon il est en, il est, euh, il est en, il est en livre là, le jambon. Alors, est-ce qu'il est en train de livrer le, le jambon là, ou alors le musclore euh... Bah voilà, si, si, il y a jambon là. Voilà, Allez, on va aller chez Jambon, les alors, gars. On va aller chez notre ami Jambon. Voilà, on va préparer le raid. Alors, gros clodo, tiens, l'occasion, je pourrais te faire un cadeau. Ah bah écoute, avec plaisir, hein. fais-moi un MP si tu veux, hein. tu me fais un MP sur Twitter ou Facebook, et puis on, on, on voit ça, il n'y a pas de soucis. Geeksfile, euh, poëte, le problème c'est que le jeu est what the Fuck, et le scénario, s'il y en a un, est incompréhensible. Ouais, mais j'ai envie de te dire, GeeksVal, on, on joue pas à ça pour le scénar. Déjà, moi, botter des culs sur patte avec une poêle, moi, déjà, rien que ça, ça me va. Hein. Moi, ça me va. Nana, merci pour le live à discuter. Bah ben oui, ça fait plaisir. Puis on en refera d'autres, bien sûr. On refera d'autres lives, discussions, bien évidemment, on aura d'autres occasions. Jambon Rodriguez, allez, c'est parti, je prépare le raid. Voilà, et le temps que le raid se prépare, je vous fais des bisous, je vais vous souhaiter une bonne soirée, bonne app à tous, rendez-vous demain, même endroit. Même heure, un hein, Twitch. 18h les enfants. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.